Alors, s'il vous plaît, on va commencer. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Je suis Sue Montgomery, je suis la mairesse de Côte-de-Neige NDG et bienvenue au Centre Cummins pour notre conseil d'arrondissement. J'aimerais reconnaître que nous sommes un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ganagahaga comme gardienne des terres et des eaux sur laquelle nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. I would like to start with us all just taking a moment of quiet reflection and to think about our evening ahead and that we treat each other with respect and kindness. We're all here for the same thing, to make our borough better. So, you know, and we need to recognize and be grateful for the fact that we live in a country where we can exchange without fear of reprisal. So, something we can't take for granted. So let's just take a moment of reflection before we begin. Thank you. Merci. Alors, je vais vous présenter mes collègues à ma droite, M. Marvin Rotron. Bonsoir. Good evening, everyone. Welcome. Il représente le district de Snowden. Christian Arsenault est ici aussi. Il représente le district de Loyola. Madame Magda Popiano de Côte-de-Neige. Bonsoir. Merci de vous avoir déplacé à cette rencontre du conseil d'arrondissement. Peter McQueen, the district NDG. Bonsoir. Good evening, everybody. Thank you for coming. Et Monsieur Lorna Perez de Darlington. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Et j'aimerais également présenter notre directeur d'arrondissement, Monsieur Stéphane Plante. Et je vous invite de présenter vos collègues. Merci. Oui, alors Madame la mairesse, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, à ma droite, Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste, M. Pierre Boutin, directeur des services des travaux publics, Mme Sonia Gaudreau, directrice sport, loisirs, culture et développement social, Mme Lucie Bédard, directrice de l'aménagement urbain et du service aux entreprises, Mme Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs, et la commandante Anouk Saint-Onge du poste 11 du SPVM. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant à 10.02, adoption de l'ordre du jour. Je propose un amendement. Oui. Premièrement, je prends quelqu'un à proposer l'adoption de l'ordre du jour et ce n'était pas fait. OK, je propose. Deux secondes. Donc, j'aimerais proposer un amendement, l'ajout d'une motion non-partisane avec le titre « Motion en appui de maintenir des commissaires scolaires élus ». Et ça doit porter le numéro 6501 de l'ordre du jour. C'est le même texte qui était envoyé par les élus de la Commission scolaire du Montréal à le caucus de majoritaire dans notre arrondissement le 23 septembre dernier. Je dépose une copie. J'ai une copie pour chaque membre et une copie pour le greffier. Alors, c'était pas déposé avant... C'est juste déposé aujourd'hui, alors, et c'est une motion qu'on va débattre au conseil municipal en deux semaines. Alors, je n'accepte pas cette motion ce soir. Moi, d'abord, j'aimerais appuyer cette demande de motion, d'ajouter la motion qui a été déposée par M. Rotran. Et quand Mme la mairesse nous le permettra, j'aimerais faire un argumentaire. Bon, ma motion est déposée étant l'urgence d'agir. Aujourd'hui, la commission parlementaire pour la loi 40 a déclenché avec l'idée d'abolir les commissions scolaires élues. Au niveau anglophone, il y a des
garanties constitutionnelles qui ne sont pas respectées dans ces lois. Et pour les commissions scolaires francophones, je pense que la loi n'offre pas une meilleure façon d'assurer une bonne éducation pour les enfants qui habitent dans notre territoire et ailleurs au Montréal et ailleurs au Québec. C'est pourquoi je pense important de maintenant d'avoir quelque chose qui explique notre point de vue dans un appui au commissaire élu. C'est pourquoi j'aimerais ajouter cette motion à l'ordre du jour. Si la majorité n'accepte pas, je vais quand même demander un vote pour amender l'ordre du jour, mais je vous prie de considérer une chose où je pense qu'il y a déjà consensus parmi nous autres. D'autres commentaires? Oui, merci, Madame la mairesse. J'aimerais appuyer cette demande. Comme nous le savons, il y a le projet de loi 40. Les commissions parlementaires ont débuté aujourd'hui, où effectivement le gouvernement veut abolir les commissions scolaires, notamment francophones. Nous sommes dans une situation, en tant qu'élus, nous savons la valeur des commissions scolaires. Nous savons à quel point qu'on travaille presque au quotidien sur des enjeux semblables. Ce sont nos partenaires. Nous avons à cœur collectivement les besoins de nos quartiers, de nos enfants, des services aux citoyens. Et c'est une façon de souligner notre appui à cette institution. Oui, certes, certains peuvent soulever le fait qu'il y a un très bas taux de participation, mais moi, je pense, lorsqu'on regarde, lorsqu'on a des élections, on a de l'imputabilité. Lorsqu'on a des questions, on peut aller à une séance de la commission scolaire et interpeller les commissions scolaires, interpeller les élus, les commissaires. Si jamais il y a un changement à cet égard-là, ça ne sera jamais la même réaction à tel point. Autre point, en tant que municipalité, on doit faire attention. Nous savons que si un gouvernement veut changer la gouvernance scolaire assez facilement, rien ne l'empêche de pouvoir changer également la gouvernance des villes, notamment de la ville de Montréal ou des arrondissements. Et alors, il ne faut pas seulement penser aux commissions scolaires, oui, mais on peut même penser à nous autres, à nos écoles et à notre arrondissement et à nos villes, à quel point que nous savons que nous aimons ce service de proximité, nous savons aimons avoir des élus qui peuvent répondre au quotidien aux enjeux locaux. Alors, j'encourage fortement mes collègues à cette table d'appuyer l'ajout de cette motion pour qu'on puisse, j'espère, l'adopter. Si le fond de la chose fait consensus à cette table, on ne devrait pas laisser une soi-disant dépôt à la dernière minute comme prévenir, envoyer un fort signal au gouvernement qui vient de débuter des conseils, des commissions parlementaires là-dessus. Donc, j'encourage tous mes collègues à appuyer cet ajout à l'heure du jour. Merci. Merci. D'autres commentaires? Non? Alors, je trouve que c'est un enjeu trop important pour avoir ce débat ici, aujourd'hui, et on va l'avoir au conseil municipal. Alors, je refuse cette motion. It doesn't work that way. You have to take a vote. Avant de passer au vote, Madame la maire, est-ce que je comprends bien, vous dites que l'administration a l'intention de proposer une motion sur cet enjeu-là au prochain conseil? Excusez-moi. Si je comprends bien, vous dites que ça va être débattu au prochain conseil de ville. Si je comprends bien, l'administration a l'intention d'apporter une déclaration là-dessus au prochain conseil? Non, c'est la motion qui va être débattue au conseil municipal. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on... Adopter, sauf si quelqu'un demande le vote. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? OK. Donc, c'est adopté. Oui. Non, c'est pas ajouté. Je refuse d'ajouter cette motion. OK. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît, okay. Madame la mairesse. Bon. J'appuie. Qui est pour d'ajouter et qui est contre? Et vous votez donc oui. Également. Parfait. Merci. Alors, c'est refusé. Merci. Alors, Madame mairesse, j'ai rien d'autre à dire sur le reste de l'ordre du jour, mais j'aimerais déposer la même motion pour le conseil d'arrondissement du mois de décembre. Je le dépose au greffier
tout de suite. Okay. Merci. Alors, on passe maintenant à 10.03. Donc, approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 7 octobre 2019 à 17h et de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 à 19h. Je propose. J'appuie. Adopté. 10.04. C'est la période de commentaires de la mairesse et des conseillers. Alors, bonsoir tout le monde. Demain, on va célébrer 2 ans en pouvoir. Alors, je suis très fière de les dernières 2 années. C'est passé très, très vite. Mais je trouve que chacun de nous, on va parler de nos accomplissements. Mais je trouve qu'au niveau de démocratie, on a changé des choses vraiment. Par exemple, j'ai un café avec la mairesse chaque mois, avec les résidents, les citoyens, citoyennes, qui veulent parler de n'importe quoi avec moi c'est moins formel qu'un conseil d'arrondissement. On travaille avec MTL par exemple, ici au conseil d'arrondissement, on fait une alternance pour les questions. On prend question d'une femme, un homme, une femme, un homme, et ça change l'atmosphère beaucoup. On a ajouté la question de genre dans toutes les décisions qu'on prend. Alors, au niveau de démocratie et de transparence, je pense que les choses ont amélioré beaucoup. Alors, comme vous savez, cette année, c'est le 30e anniversaire de Polytechnique et je suis très fière d'annoncer une nouvelle plaque, une nouvelle affiche sur la place 6 décembre qui nomme les choses comme il était, une attaque sur les féministes. Alors, it's very important never to speak it's very important to never be afraid to speak the truth, and the massacre at École Polytechnique was not only a tragedy, which is what is on the old sign at the park, but it was a deliberate attack on women because of their gender. So I think it's important that we name it as it was and that our society addresses the very real problem of violence against women. And I would just like to thank Melissa Blais and Diane Lamoureux, who advocated very strongly for the change in wording of our sign. Et il me fait plaisir d'annoncer un partenariat entre CSDM et l'arrondissement pour la construction de locaux additionnels à l'école primaire Les Enfants du Monde. C'est une collaboration gagnante pour l'école que pour l'arrondissement et ses partenaires en loisirs. Le partenariat fournira des espaces communautaires de qualité et offrira des services aux élèves, mais également aux familles et à l'ensemble de la population. Et je suis aussi très contente d'annoncer une brigade neige. Je sais qu'il est un peu trop tôt, mais la neige s'en vient. Et dans le but de favoriser le déplacement des citoyennes à mobilité réduite ou des années en hiver, l'arrondissement offrira les services gratuits d'une brigade neige. Des jeunes venant des organismes Carrefour Jeunesse, l'emploi de Côte-de-Neige et NDG sortiront leur touque et leur pelle pour déneiger les entrées, escaliers, rampes et d'accès et balcon des citoyens et citoyennes. Je vous invite à vous renseigner à votre CLSC pour voir si vous êtes éligible à cette initiative hivernale. Et finalement, mon prochain café avec la mairesse sera le 22 novembre à Centre Saint-Raymond entre 13h et 15h. Alors, vous êtes tous et toutes bienvenus. Alors, merci beaucoup et bonne séance. Alors, je passe la parole maintenant à M. Perez.
Merci, Madame la mairesse. J'aimerais faire écho des commentaires de Madame la mairesse concernant la nouvelle plaque qui aura lieu pour reconnaître le massacre de Polytechnique. Je pense que c'est tout à fait approprié et il faut absolument évoluer et dire les choses telles qu'elles le sont. Également, sur la Brigade Neige, je pense que c'est une excellente initiative, projet pilote néanmoins, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va voter ce soir, on va allouer une certaine somme pour voir effectivement le niveau du besoin auprès de personnes plus vulnérables, à mobilité réduite, ainsi que certaines aînées. Alors, je pense que ça démontre encore une fois comment un arrondissement peut être proactif, avoir des projets qui sont innovateurs, qui sont simples, qui, on espère, vont répondre aux besoins de la communauté. Troisièmement, on a un dossier ce soir où on va renouveler l'entente entre Ville-Mont-Royal et l'arrondissement concernant l'offre de services de Ville-Mont-Royal aux résidents du secteur Glenmount. Bien qu'on ait déjà eu la chance de débattre de cet enjeu l'année passée, je ne vais pas renouveler le débat. Ce que je vais tout simplement dire, que je suis content qu'il y aura une certaine stabilité pour les résidents. Cette entente-là va être renouvelée pour un autre 4 ans. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour les résidents, nonobstant peut-être une certaine différence d'opinion sur le fond de la chose. Madame la mairesse l'a souligné, on est à mi-mandat, 2 ans qui sont passés, pas seulement à l'arrondissement, mais à la ville-centre. J'encourage toujours tout le monde à lire les différentes analyses à cet égard sur ce mi-mandat. Nous-mêmes, on a fait une conférence de presse à cet égard. Alors, je vous encourage tous à voir et à lire notre contenu sur cet enjeu-là. Le dernier point que j'aimerais soulever, the last point I'd like to raise, is one that I don't take much pleasure in raising, but I think it's necessary to raise it. I've been informed by my borough director that I will no longer be able to contact him or any of the senior directors directly for inquiries about files on the agenda or any other files regarding my districts and my citizens. I will now have to go through the mayor's office and the chief of staff. I find this decision to be absolutely unacceptable, unjustifiable. It goes against the willingness to be able to have elective officials to be accountable to the population, to be able to respond to the specific needs. It's indirectly politicizing every single request that is made. We have a long history in this borough, even when we have people of different political parties, to be able to avoid such divisiveness. It's absolutely appalling for me to find out that I now have to go through the mayor's chief of staff every time I want to know a status on a file, or if I want specifics on something that's on today's agenda. That's why I was elected by the population to be able to do that. It's going to simply increase delays, create divisiveness, reduce collegiality, and at the end of the day, reduce the services to the citizens. I call upon you, Sue, to change course on this, to review this policy that you want to implement. If you have something to raise, if I've ever asked of the services anything that's questionable, I will invite you to tell me. I will stand by my record of the last 10 years as to always treating everybody in a professional manner and never politicizing any issue whatsoever. So I hope, Sue, that you reconsider, because I'm deeply disappointed and I don't think that this is what the population wants. Thank you very much. I'm sorry, who is Arvin? My turn. Monsieur Gautran. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais donner mes félicitations à Madame Rachel Ben-Diane, Monsieur Anthony Housefather, Monsieur Marc Garneau, respectivement nos députés réélus fédéraux pour les districts de Outremont, Montréal et Notre-Dame-de-Grâce-Westmont. Je le souhaite un bon mandat, possiblement 4 ans. Deuxième chose, j'aimerais vous indiquer pour les gens qui suivent ça,
que le 3 décembre prochain, la contestation de la carte électorale du Québec va être en cour supérieure. L'arrondissement de Côte-Neige-Notre-Dame-de-Grâce est parmi 5 partenaires qui a voté des résolutions en opposition de la carte qui était imposée par le directeur général des élections pour la dernière élection provinciale. Nous avons perdu une circonscription. Et effectivement, au Québec, vous avez des circonscriptions avec 61 000 personnes, des autres moins que 30 000. C'est une situation qui n'existe pas dans les autres provinces. La contestation, les plaignants plaident qu'effectivement, leur droit à une représentation semblable à tout le monde haut était bafoué. La loi 40 était déposée. On a essayé de débattre ça ce soir. I want to say I believe in elected school boards, not only because as an Anglophone in Quebec, it gives my community some control over its own institutions, but also because I believe that elected school commissioners are more accountable and able to work with politicians at all levels to assure that we have the best possible decisions made. The government's bill really doesn't offer a clear vision of how schools are going to operate in the future. Je pense que la loi est complètement idéologique sans offrir vraiment une assurance, une garantie d'une bonne gestion de nos écoles. Good news, 9th of November, Canada will have a plain packaging law for tobacco. For those of you who know me, I fought for years to, in essence, reduce smoking. I've championed four things, one of which is higher tobacco taxes. We have the lowest tobacco taxes in Canada by far in Quebec, raising the smoking age for tobacco to 21. Third of all, extending smoke-free protection to our parks and more public places. And four, proposing emballage neutre, plain packaging. The City Council supported my motion on that. Toronto adopted the same thing. The Government of Canada followed through. La loi a changé et en vigueur le 9 novembre. Parmi vous, probablement, il y a des gens qui ont lu le rapport commandité par le service police de Montréal sur les interpellations de routine. Selon le service police, les gens sont arrêtés dans nos rues 143% plus qu'était le cas avant 2014. Et la grande majorité des gens qui sont arrêtés sont des personnes de couleur ou des autochtones. Les femmes autochtones, selon le service police, sont arrêtées 11 fois plus souvent que les personnes de race blanche, les personnes noires presque 5 fois, les Arabes 2.5 fois. I call that racial profiling. The same situation happened in Halifax. The mayor of Halifax put a stop to it. He insisted there be a moratorium. He worked with the government of Nova Scotia. There's going to be a new law adopted. I've tabled a motion at the next city council asking us to do what Nova Scotia is doing and what Ontario did 2 years ago. There is no justification for any citizen to fear being stopped in our streets simply because of the color of their skin or their ethnic origin. Et je termine disant, j'aimerais féliciter the English Montreal School Board pour son bilan. Ils ont le taux de réussite le plus élevé dans tout le Québec et ils sont sous attaque par le gouvernement du Québec pour des raisons que je soupçonne ne va pas tenir route. Et j'aimerais dire aux gens de EMSB, you're doing a great job for our community. Merci. Merci. Monsieur Osnon. Merci, Madame la mairesse, et désolé de mon arrivée tardive, tout le monde. Bonsoir, good evening. Je tiens à souligner quelques items. D'abord, maintenant qu'on célèbre le mi-mandat, ça fait 2 ans demain soir que nous sommes arrivés en office au bureau d'arrondissement. Et ça a été 2 ans assez chargés, autant à l'arrondissement qu'à la ville-centre. D'abord, je tiens à récapituler. Souvent, en arrondissement, on parle beaucoup de mobilité, de sécuriser nos routes, nos intersections, nos pistes cyclables. Mais il y a aussi beaucoup qui s'est passé au centre-ville sous le leadership de la mairesse Plante. Je pense notamment aux 300 autobus hybrides qu'on a commandés moins de 2 ans après notre arrivée. Je pense également au financement pour un tramway dans l'ouest de Montréal qu'on a réussi à aller chercher auprès du gouvernement provincial cet été.
le réseau express vélo qui prend forme lentement, mais assurément, et l'escouade mobilité qui a une présence de plus en plus marquée sur le territoire montréalais. Je pense aussi à ce qu'on a fait localement, notamment dans le district de Loyola, où on a tenu nos premières consultations citoyennes sur l'avenir de nos parcs locaux, avec plus de 450 participants. Encore la sécurisation des intersections près des écoles, des aménagements plus sécuritaires pour les pistes cyclables. Et c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher de parler de un dossier, ou plutôt deux dossiers qui sont à l'agenda ce soir. L'entente entre la Commission scolaire de Montréal, bienvenue d'ailleurs à nos deux commissaires scolaires, et l'arrondissement, dont une affectation de notre surplus budgétaire de 3,2 millions de dollars pour créer des espaces communautaires qui serviront à améliorer l'offre de services dans un quartier qui a très besoin. Ce sont notamment les citoyennes et citoyens du secteur Walkley Fielding, disons dans le nord-ouest de Loyola, connu depuis longtemps comme quartier défavorisé, qui bénéficieront de ces nouveaux espaces. L'actuel centre Walkley desservit un territoire considérable et offre de la programmation pour tous les âges, mais l'espace actuel, c'est un ancien McDonald's, ne suffit tout simplement pas à répondre aux besoins de la communauté. Je suis donc très fier que cette entente augmentera non seulement la superficie en pieds carrés disponible à la communauté, mais améliorera de façon significative la qualité des lieux disponibles. A final word that I don't think can go ignored given the importance of this project, but also the other debates that are happening. I think I did unfortunately miss it earlier, and for that I sincerely apologize. But we have a stellar school commissioner for NDG, without whom I really don't think this project would be even close to seeing the light of day. And that is, she's here right now, and it's Marie-Josée Mastromonaco. She was the first to identify the small window of opportunity for this project, to share a vision of shared and complementary facilities, and being on the ground day after day, as only an elected official would do, she was well positioned to do this because she has a knowledge of her community that is without equal, that is unrivaled. So to those who ask, I'm sure there will be a debate at some point, but for now, to those who ask what elected school boards get us, what elected school commissioners get us, I answer with the example of Marie-Josée, because that's not something that we see everywhere, and we're very lucky to have it. She plays a unique and irreplaceable role. I'm sure many other people in other neighborhoods feel the same way, and I, for one, am very happy to be able to work with her. So thank you, Marie-Josée. Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Donc, je souhaitais continuer à faire un bilan de nos réalisations, autant au niveau de la ville qu'au niveau de l'arrondissement, mais dans le sujet de logement. Vous savez que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et puis l'arrondissement en a besoin. Nous en avons besoin du logement social et abordable. Le 1er novembre, on a publié les indicateurs de performance ou les indicateurs de comparaison entre quatre grandes villes canadiennes, donc Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg, puisqu'il est extrêmement encourageant, mais en même temps inquiétant. C'est qu'à Montréal, entre 2017 et 2018, le nombre de logements créés pour 100 000 habitants a augmenté de 51%. Donc, il y a une croissance extraordinaire du logement, mais en même temps, le danger, c'est que ces logements apportent aussi un embourgeoisement des quartiers. Nous sommes très, très concernés. C'est très difficile de se loger de manière abordable et surtout en cas de neige. Ça nous a affectés. Donc,
pendant les deux ans qui sont passés, vous avez vu, on a mis en place plusieurs mesures afin de tenir la promesse que la mairesse a faite lors de la campagne électorale, 6 000 logements sociaux et 6 000 logements abordables. Vous ne rencontrerez pas beaucoup de politiciens qui s'engagent sur des chiffres. Tout le monde s'engage sur des paroles, hein, mais mettre des chiffres, c'est extrêmement difficile pour un politicien, mais vous avez vu dans le rapport que la mairesse a fait pour ses deux premières années de mandat que nous sommes rendus à moitié, donc nous, on va tenir nos engagements. Localement, dans le quartier, nous avons créé un poste d'agent pour le logement social, donc quelqu'un qui va s'occuper au niveau de l'arrondissement pour le développement, donc identifier les opportunités pour créer du logement social. On a embauché une agente de liaison qui fait le lien entre les groupes en matière de logement et l'arrondissement. Nous avons bonifié le règlement d'inclusion de logement social abordable jusqu'à ce que le vrai règlement 2020 va prendre place. Nous avons fait un suivi très serré de 12 bâtiments, donc de 332 logements, avec un taux très élevé d'insalubrité. Ça a été tout un changement de paradigme. Vous avez entendu peut-être ceux qui sont présents au conseil d'arrondissement depuis des années, entre autres M. Schafter. Vous avez entendu souvent des gens venir se plaindre de l'état de ces logements. Ben, on les surveille extrêmement serrés. On a créé un fonds de lutte à la précarité résidentielle de 300 000 $ afin d'aider les personnes ont besoin. On a renforcé le partenariat avec les groupes communautaires qui travaillent en matière de logement. Donc, ce sont des réalisations qui sont extrêmement importantes pour deux ans. Vous avez entendu, nous avons acheté le terrain 50-10 sur la rue Paré. Ça, le but, ça va être construction d'écoles et de logements. Et je salue la collaboration qu'on a avec d'ailleurs les commissaires scolaires sur le terrain. Bien sûr, ce genre de projet mixte, école, logement, ne peut se faire qu'avec l'aide des commissions scolaires. Donc, je salue votre travail, M. Manirouzaman et Mme Mastro Monaco. Donc, des belles réalisations. En même temps, nous avons été préoccupés par le développement commercial et économique de notre arrondissement. Vous avez vu, on a renforcé le partenariat. C'est un vrai partenariat entre la SDC de Côte-des-Neiges. D'ailleurs, je salue la présence de la directrice. Des belles initiatives qu'on a mises en place aujourd'hui. On va voter la deuxième lecture, un règlement pour les vignettes pour la SDC. Embauche d'ailleurs d'un commissaire au développement économique. On espère que tous nos artères commerciales vont se transformer dans des SDC et que l'étape suivante, ils vont être des vrais quartiers culturels parce que c'est autour de ces pôles de développement commercial et économique que la culture, que les gens se rencontrent. Donc, c'est un autre dynamisme pour nos artères commerciales, mais aussi pour nos citoyens. D'ailleurs, on soutient l'association BIS de NDG et on les encourage aussi. On va les supporter dans leur démarche. En conclusion, beaucoup de belles choses qui se passent, des pianos de rue, des placettes, des espaces qui s'ouvrent aux citoyens. Donc, personnellement, je suis très fière. J'aurais souhaité avoir des baguettes magiques ou une baguette magique dans ces deux dernières années, mais on vous demande un peu de patience, ça s'en vient. Merci beaucoup. Monsieur McQueen. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aimerais ajouter ma voix à ceux qui témoignent du bon travail de Mme Mastro Monaco, Monsieur Manirouzaman. C'est certain que dans notre quartier, à Saint-Émond, à Notre-Dame-de-Grâce, vous avez fait un excellent travail et les élus scolaires sont importants pour moi. I would also like to congratulate Mr. Mark Garneau for being reelected, but I would also like to congratulate everybody who presented themselves in this election. I see that Mr. Franklin Gertler is here. Welcome, and good job. Everybody who stands up and becomes a candidate contributes massively to our electoral democratic system.
So I'm going to seek right into my favorite topic, of course, is transit and transport in NDG. You know, I've put a lot of effort into the Turcotte, working with the Turcotte people to try to get the best deal for NDG over the last 6-7 years. Well, it's finally starting to come to an end, and some of the movements that will get traffic off of Sherbrooke and back onto Saint-Jacques are going to be happening soon. The reopening of the exit ramp from downtown onto Saint-Jacques, the opening of the exit, the entrance ramp onto the 15 to go on the 15 north from Saint-Jacques will be opening soon. The entrance to the highway from Girouard Street below Sherbrooke, all of this is coming within months. And this is the idea of this is that we'll get some of the traffic off of Sherbrooke so that our buses can start rolling more smoothly again, and we'll have less they'll be less crowded and less backed up, and that is important for the people of NDG, especially in the winter. And as my colleague said, 300 buses are coming, and they will definitely be on the roads of Montreal. Certainly by they're starting to come now, but the masses of them will be helping by next winter, and that is extremely important. Par contre, ce que nous faisons avec nos rues quand ils réouvrent, comme le Côte-Saint-Antoine va aussi réouvrir bientôt, sauf qu'elle va être plus sécuritaire que jamais parce que nous avons mis les saillies de trottoirs au coin de rue près de Oxford, Wilson, Melrose. Alors, nous, quand on refait une rue, on ne le refait pas à l'identique, on le refait meilleur que jamais et plus sécuritaire que jamais. Il y a aussi un point à l'ordre du jour aujourd'hui, 40.02, où nous mettons un nouveau panneau d'arrêt sur la rue Côte-Saint-Antoine au coin de Gray. So, a new stop sign at the corner of Gray and Côte-Saint-Antoine, as the residents have asked for so long. Je veux remercier nos services pour leur coopération dans ce dossier. We're also, of course, the paving is actually getting better, too. You see that Saint-Jacques, the stretch of Saint-Jacques west of Cavendish, that was probably the worst road in NDG, has been repaved. They actually got it done pretty quick. It was badly overdue, and now Côte-Saint-Luc is going to be repaved in the next couple of weeks. They've already started. Nous faisons aussi beaucoup de travaux pour améliorer la situation des arbres à Notre-Dame-de-Grâce. Dans aussi à l'ordre du jour, aujourd'hui, au point 20.02, un nouveau contrat pour élaguer les arbres à Notre-Dame-de-Grâce sous les réseaux de Hydro-Québec. Mais avec ce contrat qu'on donne à l'extérieur, nos propres équipes ont plus de temps pour aller couper les vieux arbres fragiles dont ils commencent à avoir de plus en plus à Notre-Dame-de-Grâce, comme la plupart des gros arbres à Notre-Dame-de-Grâce ont été plantés il y a 100 ans. Alors, ils doivent être coupés et nos équipes sont au travail. Et alors, vous allez voir des résultats dans ce domaine très bientôt. Un autre contrat important pour les gens de mon district, pour tous les gens qui habitent proche du parc NDG, du parc Girouard, les jeux d'eau au parc NDG. You know, these water games at NDG Park, they were part of the first generation. They were one of the first in the city. And therefore, they kind of were perhaps a little bit different than some of the later ones that were put in once our services, of course, got the hang of it and got used to giving the contracts and the specific ways to get what we need done. So they had a few recurring plumbing problems over the years that would occasionally cause some delays. So we've taken the step at item 20.01 to give the contract to solve the problems at NDG Park Water Games so that there won't be any more delays opening them in early May and or over the course of the season. The kids can cool off whenever the hot weather comes. Alors, encore une fois, merci à nos services pour leur bon travail dans ce dossier. Finalement, si on parle de parc, on va parler du plus grand parc qui a jamais été créé à Montréal ou n'importe où au Canada, le Parc de l'Ouest. C'est notre administration Projet Montréal qui a pris sa responsabilité de vraiment arrêter le développement des monster homes dans la périphérie suburban de la ville et de créer un très grand parc, beaucoup sur des milieux humides où on ne devrait jamais construire de toute manière. Et on va lentement, mais sûrement, assembler tout le terrain nécessaire pour ce joyau pour les gens de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Alors, on passe maintenant à 10.05. C'est la période de questions et de demandes du public. Donc, la période de questions et de demandes du public est de 90 minutes. La mairesse invite, suivant l'ordre déterminé par tirage au sort, chaque personne qui s'est inscrite à s'approcher du micro afin de poser sa question. Les questions sont adressées à la mairesse, laquelle peut les diriger à un conseiller ou à un membre de la direction.
Les personnes présentes avec des enfants ou celles qui utilisent le transport adapté ou qui doivent quitter avant la fin de la période de questions bénéficient d'une priorité, faisant abstraction de l'ordre déterminé par tirage au sort. La personne qui est invitée peut poser au plus deux questions, lesquelles doivent se rapporter à une matière d'intérêt public qui relève des attributions de l'arrondissement ou de la ville-centre. Un maximum de trois personnes peut interroger le conseil sur un même sujet. Si d'autres personnes désirent intervenir sur ce même sujet, elles pourront le faire à la fin de la période de questions, si le temps le permet. La mairesse doit veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat. Elle peut également limiter le droit de parole à toute personne dont l'intervention est trop longue, compte tenu du temps maximal alloué pour la période de questions et au droit de toute personne présente de poser des questions. J'invite donc la mairesse à expliquer la procédure en anglais, puis à donner le nom des citoyens qui sont inscrits à la période de questions dans l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort. Merci. So, question period lasts for an hour and a half, and if necessary, we can prolong it, depending on how many there are, but there doesn't seem to be a huge pile tonight. So, children and people with reduced mobility have priority. And you can ask two questions, just approach the microphone, you can ask two questions. Try to keep your questions to 2 minutes, we have a timer, just so that everybody has a chance to speak. And I will take the questions, and if necessary, I will ask other counselors to add something. What else? There's a maximum of three questions on the same, or three people can ask questions on the same topic. If there are more than that, then you have to wait until the end. And if we still have time, then you can ask your question. And this isn't a debate. So you ask your question, we'll give you an answer. If need be, you can follow up with us during the week via email or phone call. Okay, so we're not going to enter into a debate, and I ask everyone to be respectful, and we will do our best up here to answer your questions. We may not always have the answers. In that case, we will take note of the information you seek, and we will get back to you during the week. Okay, so with that, I'll give a few names so that you know where you are in the list. Suzanne Belson, Jean Côté, Marie-Josée Mastromonaco, Denis Briffaut, Christina Gavrila, and Sylvain Moras. So we'll start with Madame Belson. There you are. Good evening. Good evening. You can just move the microphone down to your mouth. Yeah, that's okay. It. Great. Thank Good. You. You can hear me? Yep. I am the chair of the Social Action Committee at the Cummings Center, and we are just over the moon thrilled with your Brigade Neige idea. But we have a couple of questions. So the first one is, do you have any specifics on who people should contact? Because a lot of our seniors have a really hard time with the telephone system at the CLSC. Oh. Okay. Is there, or can you give us, or can you follow up with us? I think we have a meeting next week. Yeah, so yeah. Let me take note of that, and we'll see if we can get you a name or a specific number for that. But they can also call 311. Okay. And, you know, they should have a human being on the end of that line. But let me see. We have a meeting coming up, right? So I can see if we have a name. Okay. Did you have another? I have another question. Okay. For someone who may not have the communication ability or other impediments to actually calling on their own, could a Cummings case manager make the contact for them? Yes, absolutely. Yeah? Yeah. Mm-hmm. Okay. I mean, I think the first year I was elected, I put something on Facebook that I would come and shovel people's driveways, and nobody took me up on it. So I'm not sure how. I hope we get people using this service, and you know, we don't want anyone to be snowed in or to feel isolated or afraid to go out. And also the
the young people that will be doing this will be identifiable by, I don't know, we'll have some kind of vest or shovel or so that not, you know, so that they can have confidence that it's the person that is supposed to be there, you know, so there's no sort of fraud happening or whatever. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. So I really hope that people will take advantage. I'm hoping more that we don't have that much snow that you have to take advantage of it, or ice. Okay. Jean, Monsieur Côté, bonsoir. Oui, bonsoir. On a touché un peu au sujet qui m'intéresse aujourd'hui. C'est la question des arbres et puis Hydro-Québec. Alors, il y a eu deux événements récents, comme le coup de vent au mois d'août, il y a une couple d'années. Et puis là, un autre coup de vent qui a mis 1 million de personnes dans le noir. Et ça rappelle le verglas d'il y a à peu près 20 ans, où Hydro-Québec, à ce moment-là, avait promis d'enfouir les fils. Mais ils sont arrivés quelques années plus tard, quand quelqu'un posait la question, et ils ont donné une réponse que je qualifierais, j'ai cherché le qualificatif, et c'est inepte. La réponse qu'ils ont donnée, c'est que ce serait une injustice de le faire à un endroit parce qu'ils ne le feraient pas partout et qu'ils dépenseraient de l'argent à un endroit, mais pas ailleurs. Pourtant, juste sur la rue Kingston où j'habite, au sud de Sherbrooke, les fils sont enfouis. Au nord de Sherbrooke, les fils ne sont pas enfouis. Et l'arrondissement a des problèmes avec les arbres et le réseau local qui tombe. L'an dernier, on a eu beaucoup de pannes, etc. Donc, est-ce que la ville... Je sais que ce n'est pas la responsabilité exacte de la ville de faire, mais est-ce que ce serait possible de remettre ça à l'ordre du jour et de lui donner une certaine priorité pour que ce dossier-là avance un peu? Oui, merci, monsieur. Monsieur Côté, pour votre question et merci d'être venu ce soir. Oui, c'est très préoccupant, les blackouts. Alors, j'ai passé tout le week-end sans électricité. Alors, mais malheureusement, c'est vraiment la responsabilité d'Hydro-Québec. Alors, il faut demander vos députés provinciaux, peut-être, de mettre la pression sur Hydro-Québec. Par contre, avec le changement climatique, c'est vrai qu'on doit examiner toutes nos... qu'est-ce qu'on fait dans les urgences comme ça, parce que c'est vrai, on va avoir encore des tempêtes et inondations et de vent, parce que j'ai jamais vu des vents comme ça avant. Alors, je pense que c'est clair que c'est changement climatique. Alors, mais malheureusement, avec Hydro, on ne peut pas faire quelque chose. Nous sommes dans les mains d'Hydro. Oui. Madame la mairesse, je peux ajouter en complément lorsque vous avez été amenée? Oui, oui, allez-y. Alors, Madame la mairesse a raison. C'est de compétence d'Hydro-Québec. Mais nous avons à Montréal un plan directeur pour l'enfouissement des fils. Un plan qui date de plusieurs décennies. On s'apprête à le compléter d'ici 1 ou 2 ans. Et il y a des négociations actuellement qui ont lieu depuis presque 2 ans sur le nouveau plan d'enfouissement. C'est sûr qu'il y a des questions de coût, il y a des questions de disponibilité, de priorité d'Hydro-Québec. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de mettre la pression sur vos députés fédéraux, pardon, provinciaux, mais également sur la ville. Parce qu'on a un rôle à jouer. On est là pour négocier avec Hydro-Québec. Et bien qu'ils ont le grand bout du bâton, quand même, on a une certaine influence. Et sinon, on peut toujours impliquer le gouvernement du Québec. Merci. Merci. Bon, alors, comme deuxième question, c'est plutôt un commentaire. Je voudrais féliciter l'arrondissement d'avoir reboisé le petit parc Guy Viau, qui est un petit parc de rien du tout. Entre Côte-Saint-Antoine et Sherbrooke. On a planté des... Je suis passé récemment en autobus et tout à coup, j'ai vu des nouveaux arbres avaient été plantés. Alors, félicitations.
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert au sud de Monkland, à partir de Giroir jusqu'à... Donc, c'est plutôt les petits enclos paroissiaux, les petits espaces verts, donc qui est intéressant de les protéger et d'en prendre soin. Oui, merci beaucoup. Merci. Et on va planter 700 arbres par année dans notre arrondissement. Alors, c'est très important aussi pour le changement climatique. Merci beaucoup pour ces remerciements, M. Côté. Je n'avais pas passé à Guivio dans la dernière semaine, mais c'est des gens comme vous, des citoyens qui ont poussé qu'on le reboise et nos services ont pu le faire. Alors, merci beaucoup. Merci. Madame Mastromonaco. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Madame la mairesse. Vous doutiez, j'imagine que j'étais pour venir. C'est vraiment un moment spécial, autant pour la Commission scolaire de Montréal, pour l'École des enfants du monde, que pour l'arrondissement. C'est vraiment un partenariat inédit. C'est génial, qu'est-ce qui se fait. Ça démontre aussi que l'arrondissement puis la Commission scolaire, on a toujours bien travaillé ensemble. On a toujours fait des projets novateurs. On est... Là, c'est bizarre, je n'ai pas le terme en français, mais un ripple effect. On a toujours été la goutte d'eau qui a eu le ripple effect qui s'est souvent propagé au niveau de la commission scolaire et pourquoi pas aussi au niveau de la ville de Montréal. Je peux penser que nos partenariats, tous nos gymnases étaient quasiment même utilisés avec l'arrondissement en partenariat et même avant les ententes cadres. L'entente cadre qui s'est faite entre les commissions scolaires et la ville, ça a été beaucoup calqué sur ce que nous faisions déjà. Donc, oui, bravo pour cet agrandissement-là. Merci au gouvernement. Madame la députée ici, Madame Verle, nous a entendu quand j'ai été la rencontrer à maintes reprises pour qu'on ait plus d'espace. On avait certainement des problèmes de capacité d'accueil. Donc, plus de 20 millions ont été annoncés pour le 21 juin. Suite à ça, j'ai fait entendre la voix des citoyens pour des familles pour dire qu'on avait cette fenêtre, petite fenêtre d'opportunité. Et puis, on se retrouve aujourd'hui qu'on pourra avoir des programmes qui pourront se faire en complémentarité. Cependant, je suis déçue que vous aviez décidé de ne pas débattre d'une motion de la démocratie scolaire. Je suis vice-présidente de la commission scolaire de Montréal, j'en suis fière, mais d'abord et avant tout, je suis commissaire scolaire de Notre-Dame-de-Grâce et de Westmount, mais de Notre-Dame-de-Grâce, et je suis fière de représenter mes citoyens. Et à tout moment, je vais toujours me battre pour ma communauté, tout comme vous le faites, vous, comme vous êtes, oui, vous allez à la ville de Montréal, mais vous êtes d'abord et avant tout des citoyens, des élus de proximité. Donc, j'aurais aimé voir cette motion débattue ce soir et appuyée par tous les gens ici, les six que vous êtes, d'appuyer la démocratie scolaire. Donc, c'était plutôt un commentaire, puis un remerciement aussi pour l'École des enfants du monde et la Commission scolaire de Montréal. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir. Et j'apprécie beaucoup notre collaboration et j'aimerais travailler encore avec vous. Madame la mairesse. Madame Mastromonaco, même que votre territoire comme commissaire ne touche pas Snowden, j'ai bien apprécié le travail que j'ai fait avec vous pendant toutes ces années, dévoué aux enfants de Notre-Dame-de-Grâce, comme M. Manurisement, et dévoué aux enfants qui habitent à Côte-de-Neige et Snowden. Et le dossier que vous amène ce soir, que vous avez commencé, effectivement, comme commissaire scolaire, démontre encore pour moi la nécessité de garder les commissions scolaires élues. J'apprends ce soir qu'on aura un débat au conseil municipal, le prochain conseil, c'est le 18 novembre, avec tous les bons mots que j'ai entendus. J'imagine que tous les gens à cette table vont voter pour une motion de conserver les commissions scolaires. Mais encore, merci pour le travail que vous avez fait et pour le plaidoyer éloquent que vous avez fait au micro. Merci. Très brièvement, j'aimerais faire écho des commentaires de Mme la mairesse et M. Rotrand, de vous féliciter à vous, de tous vos collègues de la commission scolaire pour ce projet. L'arrondissement également,
parce qu'il y a un partenariat qui se fait, ce n'est pas seulement la commission scolaire, c'est évidemment avec l'arrondissement. Donc bravo à tous les services, bravo aux élus qui ont participé à cette décision qu'on va adopter ce soir. Et moi, je pense que ça démontre toute la pertinence des élus commissaires scolaires. Je ne peux pas croire qu'un non-élu aurait pris l'avantage, aurait travaillé aussi acharnement pour justement trouver cette petite fenêtre d'opportunité pour ensuite travailler le dossier avec les élus locaux. Alors, c'est tout à votre honneur, à l'honneur de tout le monde. Et je pense que c'est un exemple flagrant pour qu'on devrait garder les élus. Merci. Monsieur Briffaut. Danny Briffaut. Oui. Oh. Bonsoir. Et après, bonsoir. Christina Gavrila, après. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une demande et une question. Je représente les résidents du 6666 Fielding, quartier Loyola, qui est un bloc appartement qui a été converti en copropriété indivisée. La demande a été déposée sous forme d'une pétition pour demander un meilleur entretien de la ruelle qui relie Walkley à Fielding, à l'arrière de notre bâtiment, qui manque un peu d'amour. J'ai eu l'agréable surprise de constater qu'une partie des travaux avait commencé à être faite. Il y a eu un peu d'asphaltage qui a été fait parce qu'on était presque plus capable de sortir les voitures du garage. Et encore moins les personnes handicapées avec des chaises roulantes. Donc cette partie-là a été faite, je l'apprécie beaucoup. Je remercie et j'espère qu'il y aura un suivi pour le reste. Les détails de la demande sont sur la pétition de 22 signatures. OK. Vous Merci pouvez beaucoup. Le déposer avec la greffière. C'est déjà fait. Déjà déposé, oui. OK, d'accord. La question maintenant, c'est quelle est la politique en matière de déneigement des ruelles? Non, on ne fait pas le déneigement dans les ruelles. OK. C'est juste pour avoir une image claire, parce qu'à partir de ce moment-là, on va budgéter des argents pour prendre un contracteur pour le déneigement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Et merci d'être venu. Alors, Madame Gavrila. Hi. Hi. I'm a resident of St. Raymond. I'm also a member of the NDG Pedestrian and Cyclist Association. Uh-huh. So at the last annual meeting on October 10th, we adopted a resolution which requests that the bike path plan for the Upper Lachine be safe and protected from moving vehicles and parked cars. So our question tonight is the bike path going to be a path that's separated from traffic, moving traffic and parked cars? You want to take that? Well, I mean, from what I understand, the bike paths that we have now are the ones painted on the street, and you have they're wider with a dooring zone so that you're not doored. That's what we're doing right now. Whether we can add other things is another question. We have a plan to redo all of Saint-Jacques Street. Oh, you're talking about Upper Lachine. I'm sorry. Okay, so it's the same thing there. There's no bike path yet on Upper Lachine. Right. So if we put one there, that's what it would be to start off with, and then we'll take it from there. But the only protected one we have right now is on de Maisonneuve. Okay. Peter McQueen, did you have a second question? Do you have a second perhaps, question about? Would I be able to leave my resolution with you that request that it would be a separated bike path? Why don't you table you can it? Then. Why don't you table it? Give it in. Yes. Yes, you can give it to our greffier, our clerk. It'll be on our website if you table it. Yeah. Okay. And may I ask, why don't you start directly with a protected bike path and opt for the painted lanes? A couple of reasons. One reason, which is true for all the collector streets in NDG, is that the blocks are very short. And one thing about protecting the path between intersections, it can be helpful to protect people in between intersections, I agree. But the problem is you still have another intersection very quickly, every 200 feet, where there's still danger. And, you know, it's that interface between, you know,
when the bike path is out in the street, then it's probably safer at intersections because everybody can sort of see you, cars that might be turning. When you're between, if there's parked cars and you're riding along and perhaps a car that's turning doesn't see that cyclist and then there's danger at the intersection. We're working on that problem and experts are looking at it. But for the moment, as the mayor has said, we are starting, when we get to it, with a bond cyclable with a dooring zone. And we feel that for the moment, it's a good start. It adds some safety. All right. Thank you. So you can deposit your resolution with... Okay, Monsieur Moras et Madame Bonneau, Mr. Wheeler Hughes, Madame Villeneuve, Monsieur Schafter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Hi. Moi, c'est au sujet du projet de transformation du 5867 Côte-Saint-Antoine. Le projet qui a été proposé, même un peu modifié depuis le 7 octobre, continue à déroger à quatre points qui est. Aussi est en contradiction avec plusieurs éléments du programme de Projet Montréal. Les dérogations principales ont attrait à la hauteur maximale, qui la hauteur est autorisée à 10,5 plutôt que 9, la construction hors toit qui abrite une partie du logement, l'alignement de la construction qui ne respecte pas la ligne de la rue, l'usage aussi. Le bâtiment résidentiel comporte environ 7 logements, dans un secteur qui autorise seulement qu'un logement. Pour rappeler certains éléments du programme de Projet Montréal, vous aviez, en 2017, une place majeure au verdissement, réduire les îlots de chaleur, protéger le patrimoine bâti en appliquant la réglementation existante et en refusant de modifier celle-ci à la pièce, construire des bâtiments résidentiels dont la hauteur et le gabarit respectent le cadre bâti historique des quartiers, la volonté des arrondissements et les attentes de la population. Malgré ces contradictions-là, l'arrondissement donne son appui à ce projet et la seule demande qui a été faite, c'est de planter 8 arbres. Et si on regarde un peu le plan d'implantation, les arbres, ça va être plutôt petit. À la séance du 7 octobre, vous avez rappelé le droit pour un particulier de déposer un projet pour considération par l'arrondissement. Il ne faut pas non plus oublier le droit de la population et les obligations des élus. Le respect de la réglementation en vigueur. La question, okay. La première question. Bravo. Pourquoi aller en consultation publique alors que leur projet aurait dû être refusé à la base à cause des dérogations et à cause du programme de Projet Montréal? Alors, vous êtes au courant de la consultation le 13 novembre? Oui, c'est mais ça? Pourquoi qu'on s'est rendu là? OK. Je vais passer la question à M. Arsenault parce qu'il est président de la CCU. C'est la commission qui décide sur tous les projets de l'arrondissement. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir et merci pour votre question. Je tiens d'abord à répéter justement qu'il y aura une consultation le 13 novembre prochain au bureau d'arrondissement. Maintenant, pour répondre à votre question, et d'ailleurs, tout ce que vous venez de mentionner est justement le genre de choses qu'on veut entendre lors de cette consultation. Nous tenons des consultations. Mais la question, c'est oui, pourquoi qu'on est... Oui, je vais répondre à votre question, assurément. Ça s'en vient. Nous tenons des consultations sur des projets, certains projets, pas tous les projets, dérogatoires, parce qu'on reconnaît que même si un projet ne répond pas parfaitement à la réglementation actuelle, que ça peut rapporter quelque chose de bon et de bien au quartier. Et qu'il y a parfois un give and take qui a lieu quand on analyse des projets. C'est justement pourquoi on a un comité consultatif d'urbanisme de nous donner des avis professionnels et non partisans sur des questions comme ça pour des projets. Alors, c'est pour ça qu'on a ce processus-là. Pardon. Et la consultation publique en fait partie intégrante parce que ça nous permet d'avoir la perspective des gens qui seront ou qui risquent d'être impactés, comme vous. Alors,
on essaie d'avoir un processus qui est inclusif. Et à la fin de la journée, la décision finale est prise par le conseil d'arrondissement. Ce n'est pas, juste pour être clair, le comité consultatif de l'urbanisme est justement ça. Il est consultatif, il émet un avis, puis on agit en conséquence. Alors, le point de départ, c'est que même si un projet est dérogatoire ou demande des dérogations, ça peut quand même être un bon projet. Sur ce point, je répète encore une fois qu'il y a des projets dérogatoires qui ne font pas l'objet d'une consultation publique. Il y a des petites dérogations, ce qu'on appelle des dérogations mineures, qui ne font pas partie, pas sujet, qui ne sont pas assujettis à une consultation publique. Alors, c'est ça. Okay, avez-vous une autre question? Ma deuxième, oui. Pour reprendre le but que vous dites, là, de quelle manière, qu'est-ce qui est bon pour les citoyens du quartier dans ce projet-là, de la manière qui a été présentée? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Parce que vous avez dit, on peut déroger, on analyse ça, parce qu'habituellement, un projet peut, même s'il déroge, peut être bon pour les citoyens. Ma question, c'est de quelle manière il est bon pour les citoyens de la rue? On propose de construire des nouveaux logements. Généralement, on considère que c'est une bonne chose. De quelle manière c'est une bonne chose? Parce qu'on a besoin de logements dans notre quartier. Alors, On essaie, je sais que c'est... Non, pour les citoyens, vous avez dit, on ne veut pas faire de débat, je pense. Dans ce cas-là... je ne comprends pas. Pour les résidents de la rue, de quelle manière on est bénéficiaire de cette construction-là? Bien, là-dessus, justement, un élément qu'il faut analyser lors de la consultation et les séances du comité consultatif d'urbanisme, c'est s'il y a des bénéfices ou des nuisances pour les résidents de la rue. J'ai aucun doute que vous trouvez que ce projet amènera une perte pour vous. J'ai aucun doute. Mais c'est pour ça qu'on vous attend à la consultation publique. C'est pour ça qu'on espère vous entendre haut et fort. Et comme ça, ça va faire partie de l'analyse complète qu'on va devoir faire en tant que conseil d'arrondissement après que le processus entier et complet ait suivi son cours. Et M. Maurice, on attend vos voisins, on attend vos préoccupations. Et ça, c'est pourquoi il y a des consultations publiques. Mais rien n'est décidé. Rien. Aucune autorisation n'a été donnée. Rien. Aucun permis. Alors, on va suivre la consultation de près et prendre une décision par la suite. Alors, il n'y a aucune raison pour paniquer. OK? Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans votre raisonnement qui est fort intéressant. Mais il faut comprendre que ce n'est pas le programme d'un parti politique, même si nous sommes au pouvoir, qui décide de la manière dont les choses se passent à l'arrondissement. Ce sont des règlements qu'on doit respecter. C'est le point. C'est exactement ça. Et croyez-le, on respecte les règlements et le règlement dit un projet, il est dérogatoire. Donc, s'il est dérogatoire, il passe dans une consultation publique. Vous avez, je ne sais pas si vous avez un droit de référendum, M. Arsenault. On respecte le processus qui est mis en place dans la loi sur l'aménagement urbain. Ce n'est pas le programme d'un parti politique qui dirige l'arrondissement. C'est les règlements. En tout cas, le programme, pour moi, était important et on a élu suite au programme. OK. Mais on va voter lors du conseil d'arrondissement. Mm-hmm. Donc, les élus peuvent faire valoir le programme. Mais dans le processus, jusqu'au vote, il faut respecter les règlements. OK. Monsieur Perez, dernier commentaire, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec Mme Mérès. Il ne faut pas paniquer, mais il faut garder la pression.
Oui. Parce que si on est arrivé là, ça veut dire qu'au moins au préalable, on voit une certaine validité du projet. C'est Madame la mairesse qui a le droit de mettre quelque chose à l'ordre du jour ou de le refuser. Donc, le fait que ça a été proposé, ça veut dire qu'on pense pouvoir aller de l'avant. Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais c'est ça la réalité des choses. Mm-hmm. Donc, je suggère de continuer à garder la pression, poser des questions pertinentes, venez au conseil, à la consultation publique, poser plein de questions, démontrer à quel point que cela va vous affecter comme résident et résidente. Et puis, je pense qu'on a une démocratie ici. Si on voit qu'effectivement, il y a de la pression, ben, les choses devraient rentrer en ligne de compte. Merci. Et je vous invite à parler avec M. Côté parce qu'ils connaissent très bien les règlements parce qu'ils ont la même chose sur, sur leur rue, la sur Hingston. Okay. Alors, probablement, ils peuvent vous donner conseil. Je vous remercie. OK. Merci d'être venu. Madame Bonneau? Chers élus, bonsoir. Madame la mairesse, on a eu plusieurs questions, commentaires sur des arbres déboisés ce soir. Alors, pour ma part, je fais un suivi sur un questionnement que j'ai apporté lors d'une réunion publique avec l'élu du district de Côte-des-Neiges, Madame Popeyanou. C'est au sujet de la portion est du bois de l'oratoire qui est situé à l'intérieur du site patrimonial du Mont-Royal et qui est, sur un, territoire, qui est un territoire escarpé et enclavé. Une personne s'y est installée et y a campé à partir du jeudi 12 septembre. Le mercredi 18 septembre, cette personne a allumé un feu de camp. Je remercie les pompiers d'avoir répondu à l'appel et de s'être occupés d'éteindre le feu. Cependant, ce boisé est difficile à localiser au téléphone quand on appelle le 911, il n'y a pas d'adresse, et aucun véhicule d'urgence ne peut s'y rendre. Après être venus évaluer eux-mêmes la situation à partir de mon balcon, les pompiers ont dû grimper sur un garage et se faufiler le long d'un immeuble avant de franchir une clôture et marcher environ 50 mètres dans le bois avant ou afin de rejoindre le feu de camp. Et aujourd'hui, en fin d'après-midi, un individu s'est installé au même endroit. Je ne sais pas si c'est le même, mais au même endroit. Pour éviter d'autres incidents du genre, avec peut-être des conséquences plus importantes et fâcheuses, à la fois pour les riverains, mais pour le boisé lui-même, un boisé qui est considéré comme mature et d'une grande valeur écologique par les Amis de la montagne, j'aimerais savoir à quel moment le public sera mis au courant du plan d'intervention des services d'incendie, incluant leur évaluation des risques et des mesures de prévention de ces risques. Alors, merci beaucoup, Mme Bonneau. C'est intéressant parce que très proche de moi, il y a exactement la même situation dans un boisé. J'ai parlé avec la police parce que c'est très compliqué. Les gens sont des itinérants. Alors, il faut trouver une autre place. Sinon, on déplace le problème d'ailleurs. Alors, il faut trouver un abri pour eux. Alors, c'est quelque chose pour la police. On m'a dit que je ne pouvais pas appeler la police parce que ce sont 4 lots avec 3 propriétaires privés que je pouvais appeler le 911 une fois qu'il y a un feu d'allumé. Et comme je viens de vous dire, ils s'en vont à pied avec un cylindre et un petit tuyau. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on peut prévenir autre chose? Tout à coup, qu'il y a un incendie, c'est quand même un boisé d'une grande valeur écologique. Mm-hmm. C'est ça que je veux dire, là. Oui. Madame Popiano? Je transférerai la question à M. Okay. Plante. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réfléchi. J'ai essayé de trouver une solution. Premièrement, ce n'est pas dans notre arrondissement. On ne veut pas se laver les mains. C'est sur le territoire de l'arrondissement historique du Mont-Royal, même si la pente est escarpée. C'est le site patrimonial du Mont-Royal et dans le document de protection de la conservation de ce site-là, version 2018, c'est écrit que l'arrondissement peut légiférer, peut réglementer. Donc, je n'ai pas vu que ce n'était pas dans l'arrondissement. Ça n'existe plus, l'arrondissement historique. C'est l'arrondissement historique. C'est le site patrimonial du Mont-Royal. Le Mont-Royal, oui. Voilà. Les liens qu'on a avec le service d'incendie, donc parce que c'est eux qui sont en charge, donc doivent passer
par l'arrondissement. Donc, donc, je vais laisser M. Plante vous expliquer. Oui, bien écoutez, premièrement, c'est la première fois, nous, qu'on entend cette situation-là. On entend parler de cette situation-là. Je crois que ce qu'on pourra faire, c'est effectivement parler aux pompiers, aux services d'incendie. Mais on va également parler avec nos collègues du SPVM. Et je comprends ce qu'on vous a dit, là, mais on a une situation qui est un peu similaire dont Mme Montgomery nous parlait. Et il y a quand même moyen d'intervenir. Évidemment, on n'est pas dans des moyens répressifs, là. On est plus dans une approche, évidemment, on va essayer de trouver d'autres endroits pour les gens. Mais je pense qu'on pourra parler autant au service d'incendie qu'au service de police et voir qu'est-ce qui peut être fait. Et si vous nous permettez, on entrera peut-être en communication avec vous, puisque vous semblez manifestement bien connaître l'endroit. Alors, au cours des prochains jours, là, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut intervenir avec eux. OK. J'avais une deuxième question. Oui. À tout hasard, on verra. À ma connaissance, il y a deux propriétaires, ou deux lots avec deux propriétaires, où il pourrait y avoir un accès. Hein, c'est facile. Bon, ça, c'est escarpé, mais il y a des accès. Et un de ces propriétaires-là, c'est justement l'oratoire Saint-Joseph. Et l'oratoire Saint-Joseph siège comme l'arrondissement, à moins que mes informations soient erronées, siège sur la table de concertation. Du Mont-Royal. Il y a des ressources, il y a les Amis de la montagne, il y a le bureau du Mont-Royal, et je me demandais si vous pouviez apporter ça pour discussion sur la sécurisation des lieux, la protection du boisé. Le boisé lui-même, s'il y a un incendie, essayez de voir, là, de prendre une photo des appartements Rock Hill ou de l'oratoire Saint-Joseph, puis il y a eu un incendie là, il y a une petite perte là. Alors, est-ce que c'est un sujet qui peut être apporté à la table de concertation pour voir comment sécuriser ce territoire-là avec les deux lots du bas? Oui. Alors, bien sûr, on peut parler avec la table, mais si vous avez la location, le lieu exact, vous pouvez donner ça à M. Plante, et puis moi, je peux apporter cette information à la table. Consultation. OK, donc je suis disponible. Vous avez mes amis aussi. Oui. Merci. Mr. Wheeler Hughes et Emily Villeneuve après. OK. Hi. How's everybody doing? Hi. Great. Good. OK. So my question concerns recycling in the municipality. So I'm a teacher. I work at LCC. And just kind of been noticing recently the sheer amount of stuff that we throw out, especially plastic. You know, our recycling bins are full of plastic. And on top of that, you know, kids are not always sure about what to put in the bin. You know, they're throwing out apples, they're throwing out Kleenex and stuff. We try and teach them, it doesn't always work. I guess my question is twofold. First of all, can you speak briefly to the sorting process that I'm not very clear about as to how the recyclable plastic gets sorted? And then B, kind of just to zoom out, a study came out in April, I believe, that said that only 9% of our plastic is being actually recycled, meaning that 91% is either being, you know, burned, put in a landfill, or you know, thrown in the ocean. So can you speak to A, just the sorting process, and B, kind of talk to me about how we are trying to ensure that our plastic is in fact being sold to be reused as opposed to being thrown out? Sure. So thank you very much for coming tonight. I understand this is your first council meeting, so welcome. Yeah, thank you. I hope we'll see you more. And thanks for the question. Obviously, it's something that concerns all of us. The first thing I would say is one thing we need to do is cut down on our consuming 100%. And buying stuff. And one of the biggest, I think, producers of all this packaging is like Amazon. So online shopping, you know, a huge box for a little item. 100%. So that's one thing. I think a lot of people, we can think about what we are consuming. But second of all, our party in general has, we have an a dedicated counselor who's working on environmental issues, and that plan is coming out at the beginning of the new year. Okay.
So it's something, you know, and of course, Madame Plante has spoken recently about reducing all our waste, and it's definitely, you know, a priority for us. We can't ship our stuff elsewhere. Nobody wants it, first of all. And I think we just have to, frankly, I think we're fooling ourselves that all this stuff can be recycled. I don't think it can. So I think we have to find other ways for it. And I know LCC does its part with its Maker Lab, where the kids turn all kinds of garbage into usable items and so on, which I think is terrific. Mm-hmm. So also there's a Maker Lab on Sherbrooke Street, which is also looking at ways of taking this plastic, mushing it down, and making it into other things. Mm-hmm. So there's all kinds of things happening, not fast enough, but it's definitely a priority of our party. So, excuse me, Mr. Willie Hughes, you may not know this, and many of my colleagues might not know this, but Montreal is one of the six municipalities as part of the Zero Waste Council of Canada, which essentially is working towards legislation as the most effective way to reduce the use of plastics in particular. If there's a consensus among Canadians, if you phrase it, that plastic is dangerous because it ends up in our oceans, mm-hmm. people say, we got to do something about that. Mm-hmm. But in essence, there's a lot of things happening right now with plastics. The consensus towards some form of legislation regarding single use of plastics and promoting reuse. Some municipalities are beginning to actually collect plastics to use as fuel, low carbon type of fuel. Okay. Uh-huh. Although that's not all that popular because the advocates of reuse say the value of the plastic's more than what you're getting out of it in terms of fuel. The University of Montreal is working on a biodegradable plastic bottle, and they said, and I heard them a couple of days ago say, that this will be on the market in 2 years. A lot of people say that's not the solution, though. The solution may well be a form of legislation similar to a carbon tax that makes it viable for producers to use secondary material. Right now, the real problem is producing plastic is so cheap, and primary materials are so cheap, and recycling has just collapsed as a market. I mean, the Chinese were our largest market, and their new laws on purity of product and what they're willing to pay is essentially assured we can't export most of our recyclables. Right. Rather than recycle, I think we have to look at reuse. It's not immediate. It's going to be long-term, but I think there's a consensus among all of us here and at City Council and in other cities that we've got to work with the provinces and the federal government. My own reading is the federal government's far more open to these type of changes in legislation, but a lot of it falls under provincial mandate. Thank you. Merci. And do you have another question? That's it. No, that's thank it. You. Thank you for coming. Oh. Another expert in our party is the mayoress of Lachine, Maya Vadovanik. So you could look her up. And she has been to, just last week, was at a conference in Vancouver on the subject. Okay. So she knows a lot. So sorry, who is it? She's the mayor of Lachine, Maya Vadovanik. 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 All right. Awesome. Thanks so much. Hi there. So my name is Emily Villeneuve. I work for the NDG Community Council as a mobilizer for our priority sectors. First of all, congratulations on the school. Les Enfants du Monde, Walkley Fielding. It's a really great initiative. Good job, guys. I'm here today because actually, as you may know, Melrose Tunnel has always kind of been a safety issue for residents of that area. Recently, and every year for almost a decade now, residents hold a Halloween decorating for the tunnel in order to kind of highlight how scary it is by putting in monsters on the walls. And this year, next to our children's drawings, there were swastikas and Nazi hate signs, code that demonstrated that's in existence in the area. Some residents have been proactive and have tried to paint over it. They've been doing their best, but every time they paint over it, two more pop up. And then there's the idea that someone is doing this reoccurringly and therefore is hanging out in this tunnel.
This is one issue. This is one issue in St. Raymond, in the tunnel, but I'm sure that it's happening in other areas of NDG, in the city, etc. And so the question is, what is the city doing to kind of eliminate these markings around the city to make it a more inclusive neighborhood? Mr. McQueen. Thank you very much for coming, Emily. I appreciate it, and we appreciate all the efforts for the Halloween tunnel, and it was good this year. It was fun. The first thing we do is hate graffiti gets priority in terms of its removal. So anytime you can tell any citizens to signal us immediately, signal 311, and it will be put at the top of the priority list. So it's in the tunnel or anywhere else. So that would be the first thing. Wonderful. I'm wondering, and first of all, thank you for coming, and thank you for the work you do with the council. These kind of hatred and racism is very worrisome. I think a lot of it is bubbling up from the south. You know, when you have a president that allows this kind of, or speaks like that himself, it gives people permission to behave like this. So I think we need to fight against that here in our country, and I think the election results showed that you know, Maxime Bernier was wiped off the map, so at least we are not going for that kind of party. But like Mr. McQueen said, it does the hate, this hate, symbols, hate marking crime, symbols, yeah. Takes priority. I think the police are aware of, are watching out for hate crimes as well. But if you have any suggestions of how we can make that, I find that tunnel creepy myself. I go through it on my bike, and I don't know. I mean, I understand why it's there, but I don't know how you make it more welcoming or less, you know, that it attracts that kind of a person. So one of the, actually it's in the crowd right now, one of the suggestions or remarks was a CCTV. It's a camera, right. Basically. Right. I overheard rumors that this actually occurred once in the tunnel and that it just kind of, someone damaged it and was never replaced. Right. And so that actually would be an option, and I think a lot of residents of St. Raymond especially would be very interested. Yeah. Well, we can consider that. I'm worried that it would just always be damaged. And because it's such an isolated area that nobody's going to see the person damaging it, right? So anyway, let's work together on that and figure out how we can make it safer. I know there's lighting in there, but doesn't really do much other than put security guards on either side. I don't know. But anyway, we'll work together on that and see. Wonderful. Did you have another question? Okay, thanks for coming tonight. Thank you. Mr. Schafter, and then Madame Nicolaou, and Mr. Smith. Good evening. Good evening, Mr. Schafter. It's time to seriously address the multi-billion dollar Blue Bonnets residential development for social, affordable, and all levels of housing. Property taxes and affordable rents are skyrocketing. I'm offer the following. We've already lost two major opportunities before the last provincial and federal elections to request infrastructure and social funding. I suggest a united public appeal to Ottawa and Quebec by Mayor Sue Montgomery and Valerie Plante, opposition leader Lionel Perez, and Snowden Councillor Marvin Rotran for equal funding before the end of this month. I'm reminded that the city has not yet hired a reputable professional urban planning company to create the most inspiring layout for pub building subdivisions, parks, recreation, schools, roads, etc. Please do so before the end of this year. Please inform Mayor Plante, it makes no sense to limit parking on site. Developers may not build without sufficient parking to compete against many other projects locally. Banks may not finance projects they feel may not be profitable, even with costly higher interest rates and more onerous conditions.
and environmentally friendly electric cars will soon be less expensive and more commonplace once the 5-minute charge is available at gas stations, which Hydro-Québec and all think tanks are working on now. Lastly, if we don't commence development by 2023, we may lose the site back to the CAC Quebec government to profit themselves and lose the opportunity to service the needs of Montrealers as they seem fit. Do you have a question? Yes. First for Snowden Councillor Marvin Rotrand. Failed public consultation meetings like the ones on the mountain and the Royal Mount Mega Project achieve little but hype, and I'm sure there's another on the way for Blue Bonnets. Let's now put up a large billboard facing the Carrie and Jean Talon announcing the Snowden Blue Bonnet Homes, an inspiring layout and funding please? From the three levels of government. Is there a question government. In there? Absolutely. May Marvin, I have the question? Thank you. As they say in horse racing, let's get out of the starting gate early, even if the money rolls in later. What do you think? I think that the consultation, which actually begins on November 20th, will achieve absolutely nothing. There is no plan for Blue Bonnets whatsoever. The city administration has decided to put forward a vision. What it doesn't have is any money for infrastructure. It doesn't have a plan to consult with. It doesn't have an agreement on the Cavendish extension. Instead, it just tells the population it wants a site that will be carbon neutral and, in essence, have a large percentage of social affordable housing without even saying what percentage as well. I think it will attract quite a few people. Those who want at least half the site as social housing will come out. Those who don't believe in cars will come out in large numbers. But, however, it won't lead to anything. We'll find out November 25th when the capital budget of the city is issued whether there's a penny for Blue Bonnets. And I'm going to go out on a limb and suggest there isn't going to be a cent there for anything. You know, I think we're years behind schedule. And I want to say, as I said here at this table and at City Council, the city's inclusion plan, which is now currently being panned by every major economic player in Montreal, will hinder development and force promoters to go off island and to other municipalities. It will hinder our ability to deliver more social and affordable housing. It will hinder our ability to redevelop this site. Not expecting a lot, Mr. Schaff. That's interesting that you say that, Mr. Rotrand, because I just had dinner with the special rapporteur, the UN special rapporteur on housing, and she was over the moon about our inclusion policy and very excited and said other cities, like we're way ahead of other cities in terms of our vision for social and affordable housing. I agree. Do you have with a second question? I agree with you, Sue, and we is gonna do it. To make sure government funding rolls in and the mega project commences sooner than later, please organize with council and the city administration a social and affordable housing rally. A rally this spring at the huge 53-hectare site. Invite all politicians and housing activists in a position of authority, Project Genesis and other nonprofit social organizations, to meet with tens of thousands in need. And don't forget the media big time to spread the word big time. Please talk of this proposed rally and Blue Bonnets in general on CJAD and French media. Do you have a question, Mr. Schafter? What do you think? Will you do it? No, I'm not going to hold a rally. We're holding something that is more constructive and positive, and that is the public consultations. We want to hear from people. It's public land. We want to hear their ideas and their input for we have this golden opportunity to create a neighborhood that or a whole section of our city that's never been done before. And I'm very excited that I'm going to be the mayor that'll be leading that charge. And, you know, I think we're going to create a community that is inclusive and healthy and carbon neutral.
Thank you. I want to nuance what Ms. Montgomery said as she nuanced what I said. My point of view is different. The inclusion policy forces promoters to raise the cost of housing to new purchasers to pay for social and affordable housing. It de-responsibilizes the superior levels of government. Most of the money for this type of housing should not come from young families. It should come from government agencies. That's why I oppose this. I think it's the wrong approach. And we're hearing that from just about everybody at the current consultations into the inclusion bylaw. I think having good intentions doesn't build housing. Thank you very much for coming, as usual. I think $500,000 for climate change. Thank you. Doing a Greta. Thank you. Would do it. Sure. Do thank you very much, Mr. Schafter. Madame Nicolau, and then Mr. Smith. Are these questions for me or can go to you? And Madame Balzano. Enjoy. Thank you. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Bonjour. So I would pick up on a subject before discuss it about CCTV cameras, and I've noticed you told that it's isolated and it will be destroyed. So make it a network. So there are entire cities in Europe very well, controlled by CCTV cameras, big cities, and it's very efficient. And the criminality is so low. I would think that. Do you have a question? A model. No, I just picked up. The question would be, how should I do more and better to improve the cleaning of our street, which is Victoria Avenue? Cleaning myself with the broom. Okay, what exactly, like it's cleaned once or twice a week or? Not even once a month. Oh, Victoria Avenue, which is a big I know, but where, between where and where? Between Sunnyside and Mira. Sunnyside and? Mira. Okay, so I see our Director of Public Works taking note of that. So I put several complaints to no end. Okay. 311. Okay. All right, thank you very much. And you can email my office as well. I send photos. What can I do more? Well, you're here now. Yeah. The Director of Public Works has heard. Yes, please. Okay. Thank you. And if it doesn't get done, then let me know. Yes. Please. Personally, thank you. Thank you. So the second question. Yes. So. Do you have any plan to replace the sidewalks on Victoria, same portion? So I'm asking for about 60 family, 30 on the side, 30 on the other side. Okay. They are in really bad shape. And an anecdote. I put in a complaint 2 weeks ago, and I said that there are some, I would say, caricature. It's very unprofessional repairs on the sidewalk. Okay. So... I waited for a long time. Finally, I paid somebody. It made repairs in front of our house. And it was a big piece of iron getting out of the sidewalk. Mm. And when I got to the city hall, the lady asked me, are you allowed to do such repairs? And I said, I do not know, but I can't, just yeah, see if people metal in sticking danger. Out. Right. Okay. So... and she looked on my complaint in your informatics system, and she said, oh, yes, but it's problem solved. Yes, thank you very much. I solved it. So somebody reported as solved. Okay. Monsieur Boutin, savez-vous si on va faire les trottoirs sur la rue Victoria? Ou? Non. Ce qu'on a fait cette année, parce que le contrat trottoir était terminé, on a réparé pour que ce soit sécuritaire. Puis, dans le fond, il va falloir voir l'an prochain si on a les sous, dans le fond, dans les budgets d'infrastructure au PTI pour pouvoir remplacer ou réparer les trottoirs. Parce qu'il y a une bonne section. Ce que j'ai compris, c'est que... Sunnyside et... There's a large section on Victoria. That yeah, it's the largest and section. It's exactly. A big amount of money. It's a very slippery slope. In the winter, people falling down. Yeah. Another problem is the speed on that street. Yes. That's a problem in our whole borough, actually. People drive too fast. But did you understand what Mr. Boutin said? Or should okay, so he yes, said I, that... I didn't know. No, don't bother. Okay. Thank you so much. Okay. I understood, but the repairs still are of very low, cheap quality. It's not okay, a so job maybe well we can done. Double. It's caricature. Okay, maybe we can check those repairs. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Smith and Madame Balzano. Hello, Mr. Smith. Good evening. Good evening. I'm here to ask your opinion about a
rather bad rumor that's come up with the NDG Sports Center on Monkland Avenue. Apparently, according to your Mr. Chad Walcott, they're going to close the weight room, and it's going to be made into something else. Between Grand Boulevard and the university, there's all kinds of buildings that hold retired guys, mine being one of them. And a lot of us in the Gazette today are said that because we're overweight and we eat too much, we have too much sugar, that we're not exercising enough. The CLSC told me this. A dietitian gave me a diet to follow and said, go to the gym and exercise there. And I just beat, I have to do this twice every day. I have to check my blood sugar. It's come way down. Mm. My weight is down by 12 pounds. And I thank this weight room that I exercise every day. And all of a sudden, it's going to close after they told me to go there. Mm-hmm. I got a list of 90 people here that go there that have signed this petition. Okay. Would you like to give that to our... And this is only 90 as of today. Okay. Because we only started late. We didn't find out. One of our members who's with me tonight only found this about a couple of months ago. Okay. From your co-worker. Okay. There's so many people who can walk there. You know that you cannot park a car anywhere in that mm-hmm. whole area. The CLSC, mm-hmm. the library, the sports center, everything. You can't park. And for us who need the exercise, we walk from all corners of NDG there. So part of our workout is to walk there. Mm-hmm. Well, that's now, good. Can I ask you to give your petition? But the point is, the price, the membership is ridiculously low. Mm-hmm. Why doesn't it increase at, say, $40 and make it more in line with what's available at the other places? $20 is a joke. Okay, Mr. Smith, thank you for coming, first of all, and for your question, and congratulations on your weight loss and your control of your sugar. Well, I'm glad to hear that. We want somebody to tell us, why is it going to be, the room is no bigger than... I'm about to tell you. If well, you it's let no me. Bigger than a glorified room closet. It's not very big. What else could you do with it? Well, I haven't been to it myself, so I if more than 10 people were there, you'd be banging into each other. Okay. Well, what we're finding is, I mean, what your information is the opposite of what I'm hearing is that it's not used as much as it's used as it is. And therefore, we've decided to use it for another activity. You've got a whole bunch of guys, particularly guys, but men and women who are retired, who walk there and get their exercise. And we keep away from Medicare because we're taking care of ourselves and we're trying to improve our health. Yeah, I understand that. And if we don't have a place to go or to walk, you can't park a car anywhere in Montreal. They don't even want you to have a car in Montreal. You know? So, but look how good it's been for you. Yeah, sure. But, I mean, I'm not the only one. Right. No, you know, that's great. 90 other people here on okay. my list. Okay. That feel this way. We're very, very upset about this. I hear that and you're upset. And we're all retired people. Yes, I hear you. No, I'm sorry, sir. You can ask a question. Okay. Yeah. Okay. Can I'm I ask? I'm going to give that in. Yes, please. Okay. Thank you. Wow. Okay, thank you, Mr. Smith. I'm a big. Okay, can I answer your question now, Mr. Smith? I just was wondering if you're going to put basket weaving in that. Yeah, no, I heard that. So I hear that you are upset, and I will look at this because if there are 90 people, but from what I understand, it was a room that is underused, and so therefore they were going to use it for another activity. But
Let me look at this and we'll see. I don't want you not to exercise or your fellow retired people. So let me take a look at this and we'll see. I understand. Okay. So thank you for coming tonight and asking the question. Madame Balzano? Merci, Madame la mairesse. Donc, Madame la mairesse, Madame Popéanou, élue et membre du conseil d'arrondissement, bonsoir. Je me présente, Félicia Balzano, je suis la nouvelle directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges. Donc, c'est afin de souligner notre reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui. Au nom de la présidente du conseil d'administration, Mme Virginia Tisséo, et ainsi que tous les administrateurs du conseil d'administration de la SDC Côte-des-Neiges, l'accès au stationnement est un des éléments qui fait partie intégrante des enjeux de la mobilité de notre secteur. Et celui-ci représente un dossier crucial, pour nos membres composés de commerçants et professionnels. Lors de l'Assemblée générale des membres de la SDC en octobre dernier, l'annonce de la nouvelle du projet pilote des vignettes de stationnement a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme de la part de nos membres. Excusez-moi, monsieur, la madame veut parler, mais est-ce qu'on peut avoir le silence? Merci. Merci. Donc, ce dénouement favorable au projet pilote des vignettes démontre un soutien important de l'arrondissement envers la SDC et ses membres, et nous souhaitons vous remercier pour cela. L'octroi de vignettes aux commerçants et entreprises membres de la SDC Expérience Côte-des-Neiges est un premier pas vers des solutions novatrices pour les défis de mobilité de notre secteur. C'est un projet qui est inclusif. Nous vous remercions de collaborer avec nous, avec la SDC, dans des enjeux qui touchent les commerçants, les professionnels qui composent le secteur, mais aussi tous ceux qui fréquentent également le secteur. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, et je vous remercie pour votre collaboration dans ce dossier. Les commerces sur Côte-des-Neiges sont très importants pour notre arrondissement. Alors, c'est un plaisir de vous appuyer et de soutenir vos commerces et l'SDC aussi, parce que c'est la seule société de développement commercial de l'arrondissement. Alors, vous êtes très, très important pour vous, pour nous. Merci. Alors, Reverend Cole Peters, Nathalie Brière, Jean-Philippe Grignon, Yvonne Opdam. Hello. I'd like to start with a note of thanks and then a question. Parce que les frustrations sont parfois exprimées en public, je pensais que c'était important de mentionner la reconnaissance en public. Dans la nuit de samedi à dimanche, pendant qu'il y avait les vents et les autres choses qui se passaient, une des paroissiennes qu'on a qui habite seule à la maison, probablement trop longtemps qu'elle est seule, mais elle est tombée durant la nuit, elle m'a appelé, je me suis rendu, j'ai dû appeler 911, il y a un problème avec la porte, l'appartement, on a dû défoncer une porte, moi et les paramédicaux, pour entrer, pour l'aider. Éventuellement, on a dû faire venir deux policiers. On avait un petit débat si la dame restait dans son appartement avec la porte défoncée. On essaie de l'encourager de se rendre à l'hôpital, au Jewish General. Les deux agents qui sont venus, je crois, du poste quartier 26, ont été incroyables. La pauvre petite madame, dans sa jaquette de nuit à 80 livres à peu près, puis on était cinq à peu près de ma grandeur dans l'appartement, ça aurait pu très rapidement dégénérer dans quelque chose de menaçant pour elle. Puis la question, c'est d'essayer de l'encourager de se rendre à l'hôpital avec l'ambulance et d'essayer de le faire être son choix à elle. Les deux policiers étaient, d'après ce que je comprends, en mesure de forcer la situation. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont été compatissants, mais directifs. Et j'étais sur le point de leur offrir un poste d'assistant pasteur. Donc, merci, ça a été. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme formation, mais ce n'est pas la première fois qu'ils nous viennent en aide.
de façon rapide, de façon courtoise. Quand j'ai commencé il y a 7 ans, 8 ans, là, apparemment, les autres pasteurs avant moi ne travaillaient pas tard le soir à l'église. Et j'ai découvert que notre stationnement était devenu l'endroit où les détaillants de petits sachets en plastique avec de la poudre blanche travaillaient. Ils ont travaillé avec nous et ça a été résolu. Donc, on apprécie beaucoup leur travail. Excellent. Et, merci. C'est fort apprécié. Merci. Ayant dit tout ça, je ne voudrais pas nuire à leur travail. On a un petit problème avec notre stationnement. La réglementation a changé à Montréal. Parce qu'on est très, très proche du Jewish General, qui sont en train continuellement de refaire leur stationnement, et de Sainte-Justine, qui sont continuellement en train de refaire leur stationnement, et d'une artère principale où il manque de stationnement, et d'un bureau de dentiste qui a un trop petit stationnement, les gens viennent se stationner chez nous à l'église. Oh. Apparemment, dans la connaissance commune, c'est un stationnement d'église, ça appartient à tout le monde, on peut se mettre là n'importe quand. Il y a 4 ou 5 ans, on a pris une mesure qu'on ne voulait pas prendre. On a engagé une compagnie qui vient remorquer aux frais du propriétaire. C'était notre seul choix. On avait des bénévoles. Moi, j'arrivais à travailler, puis je n'avais pas accès à notre stationnement. C'était vraiment rendu problématique. Le règlement a changé maintenant. Apparemment, ces compagnies-là ne peuvent plus remorquer dans un stationnement privé et facturer à l'individu à qui appartient le véhicule. Donc, on nous a avisé que notre contrat devient inutile parce que c'est nous-mêmes qui devrions payer le frais de faire déménager le véhicule, le réclamer du propriétaire, faire le... Donc, on est sur le point de canceller notre contrat puis d'essayer de trouver autrement. Quand on a appelé le directeur du stationnement de la Ville de Montréal, il nous a dit de la nouvelle procédure. Ces compagnies-là ne sont pas censées remorquer dans des stationnements privés facturés. Quand on vient, il y a quelqu'un qui est stationné illégalement dans un stationnement, on est censé appeler 911. Quand il est 2 heures le matin, j'ai une dame qui est tombée tout seule dans son appartement, j'ai besoin d'un paramédic, ça ne m'inquiète pas d'appeler 911. Quand j'arrive à minuit le soir dans le stationnement de notre église, il y a quelqu'un qui est en train de vendre des petits sachets de poudre dans des... Ça ne m'inquiète pas d'appeler 911. Mais je ne suis pas sûr que je veux commencer à appeler 911 un jeudi après-midi à 4 heures quand il y a 3 voitures qui n'appartiennent pas dans notre... Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a... Oui, alors, je pense qu'il y a un numéro pour les... Peut-être le commandant peut répondre à ça, mais à mon avis, est-ce qu'il y a un numéro pour les appels non urgents? 20-22. OK. OK. C'est alors. La même chose, mais c'est le 911 non urgent. C'est le 911 non urgent. 2-8-0-22-22. OK. Juste... Pour information, quand on appelle le bureau de stationnement de Montréal, eux nous avisent d'appeler 911. OK. Ça fait que je OK. It didn't make sense to me, but... Oui. OK. OK. Alors, noté. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Madame Brière, je pense qu'elle a quitté. Hein? Oui. Monsieur Grignon. Sorry, what's the name of the citizen? Monsieur Jean-Philippe Grignon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je voudrais juste féliciter l'arrondissement parce qu'il y a eu un accident il y a eu un accident au coin de Terrebonne et Old Orchard. Mm-hmm. Puis l'arrondissement est intervenu en installant des arrêts de signalisation. Et puis, c'est ça. Enfin, vous avez sécurisé le coin de rue et puis vous avez mis des... Tu sais, maintenant, on ne peut plus stationner sur le coin. Fait que c'est super. Je voudrais savoir aussi au coin de... Mon Dieu, je parle à voix, excusez-moi. Non, ça va. Sur Giroir et Terrebonne, il y a eu un gros accident aussi. Oui. Puis on voit beaucoup de rage au volant. Des coups de klaxon, il doit avoir au moins 50 à 100 coups de klaxon à chaque jour. Ma première question est, qu'est-ce que vous allez faire pour sécuriser cette intersection? Écoutez, dans le fond, tu sais, je vois souvent des risques avec les piétons. Il y a un parc juste à côté. Mm-hmm. Et puis, dans le fond, juste avant le parc,
il y a comme une pancarte qui dit que c'est 50 km/h. Mm-hmm. Fait que je ne pensais plus qu'on pouvait rouler à 50. OK. Alors, merci beaucoup d'être venu et pour cette question. Évidemment, la sécurité, c'est très important pour nous et je prends cette route chaque jour en vélo pour arriver au bureau. Alors, je connais très bien le coin. Et récemment, j'ai arrêté pour examiner peu après cet accident et on n'a pas encore le rapport de la police concernant cet accident. On ne sait pas ce qui s'est passé ou si on peut faire quelque chose d'éviter d'autres accidents. Mais honnêtement, ce n'est pas un coin qui est connu pour les accidents. Alors, on n'a pas beaucoup d'événements là. J'ai parlé avec le tenant de la poste 26. Mm-hmm. Il m'a dit que... C'est rarement il y a un accident avec un piéton. Alors, je pense qu'un des problèmes dans ce coin, c'est la construction sur Côte-Saint-Luc. Parce que juste après, il y a beaucoup de camions. Alors, pour les condos, je ne me souviens pas le nom de ce développement, mais c'est presque fini, je pense. Okay. Ou j'espère. Alors, ouais, c'est le Beaumont. Le Beaumont, exactement. Et je pense que ça doit terminer dans les prochains mois. Et à mon avis, ça va améliorer la situation. Mais c'est sûr qu'on a un gros problème avec les chauffeurs ici à Montréal, avec la vitesse. On a déjà réduit la vitesse de 40 à 30 et de 50 à 40. Mais... Puis est-ce que c'est normal qu'il y ait une pancarte de 50 juste avant le parc? Tu sais, c'est comme une pancarte, c'est comme salon, il y a un parc. Ah oui. 50. Alors, on peut examiner, on peut voir si peut-être on peut mettre une pancarte qui dise que c'est un parc, il y a des enfants qui jouent. Parce que là, il y a une pancarte, c'est marqué 50 km/h. Mm-hmm. Combien? 50. 50 sur Giraud? On va regarder. OK, ouais. On va vérifier parce que ça doit être 40. C'est juste avant, au sud du parc. Ah oui? Juste OK. Avant. C'est au milieu de la rue, là, le petit, ouais, exact. Le petit bollard au milieu de la rue. Ah oui, avec 50 là-dessus? OK. Ah. On va vérifier. Alors, le bollard, c'est pas quelque chose de permanent, je pense. Hein? OK. Puis, vous attendez peut-être le rapport, dans le fond, du un rapport que vous attendez suite à l'accident, mais je pense que le poste de quartier vous a recommandé de mettre des feux piétons protégés à toute direction, comme au coin de Monklin et Giroir. Okay. On n'a pas reçu de rapport encore. Ouais, ça, mais okay. Non, c'est ça. On a rien de la police. Okay. Savez-vous, commandant Saint-Onge, si hier... L'accident mortel? Oui. Nécessairement la vitesse qui était en question. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît? En fait, c'est ça. C'était un accident avec un véhicule lourd et les angles morts. J'ai pas le résultat final, mais une des causes était liée, effectivement, c'est toujours ça avec les véhicules lourds, c'est de s'assurer d'être vu et que la personne nous voit avant de traverser. Parce que la personne était sur son feu vert et lui était sur son feu vert, mais c'est une question d'angle mort. C'est sûr que nous, on a fait beaucoup de sensibilisation. Après, on a fait même une opération angle mort pour conscientiser surtout les personnes plus vulnérables à les mettre dans le véhicule pour qu'ils voient qu'on ne voit pas. Ça, c'est une chose. On a fait beaucoup de répression et de prévention par la suite à ça. Mais ce n'était pas la vitesse dans cet accident-là qui était en cause. Okay. Bien, si on pourrait avoir les feux piétons protégés, ce serait super. On peut regarder ça. Autre question? Ma deuxième question était... J'étais sur Terrebonne il y a un mois. D'ailleurs, j'ai envoyé un courriel à M. Peter McQueen. J'ai eu un auto qui m'a frôlé avec ma petite fille de 4 ans sur mon vélo. Et puis, peut-être à un demi-pied. C'est pour ça que je suis ici à soir. Je trouve ça... on s'en allait à ses cours de danse. Puis, on dirait que sur Terrebonne, il y a des gens de bollard que c'est marqué pour vélo. Et voiture. Donc, c'est une route partagée. Mm. Mais je vous assure que le concept n'est pas compris sur Terrebonne. Est-ce qu'il y a des chances qu'on aille une piste cyclable sur Terrebonne en 2020?
Alors, on travaille beaucoup sur les pistes cyclables. Et je suis d'accord avec vous, on doit faire quelque chose. Mais je pense que c'est une question d'éducation aussi. Alors, je vois une petite amélioration entre les chauffeurs et les vélos. Et lorsqu'on a encore plus de cyclistes, je pense que les voitures, les chauffeurs vont faire attention. Mais c'est vrai qu'on doit... Mm-hmm. On doit faire une sensibilisation sur ça. Sur on veut encourager aussi les cyclistes. On exact. Veut pas les faire peur trop. Oui, c'est ça. C'est veut. Ça. Exactement. Okay. Okay. Merci. Merci. Madame Optan? Hello. my name is Yvonne Optan. I'm an NDG resident and I'm also a two-year retiree okay. and a user of the NDG Sports Center. The weight room. Okay. And it's along the same lines as the gentleman who came here earlier. I didn't even know he was going to be here. We had the rumor they were going to close it in June. They gave us a letter saying it was going to be turned into a multifunctional room with sports activities, and they were going to remove the large weight training equipment that is in there. It's a tiny room. The weight training equipment that's in there can accommodate 7 people. The capacity is 10. And it's an excellent piece of equipment that you can use 7 people at a time. You can use over 3 muscle groups on each station. And of the few things in that center that really seem to have been, from the beginning, adequate and useful, it's that weight training equipment. Mm-hmm. So it's very interesting that they say nobody uses it. I go there every Tuesday and every Thursday. There's 2 hours where it's seniors that come for weight training, supervised weight training. In my group, we're majority women, and it's used very religiously and mm-hmm. loyally. So mm-hmm. I don't know where this comes from, that nobody uses this weight room. Mm-hmm. So for 2 years I've been using it, and so have all the other people. And it seems to me that to dismantle excellent equipment that is in good condition and then get rid of it, to make a multi-purpose room, which you already have upstairs, a multi-purpose room, makes absolutely no sense. The gentleman was right. The room is tiny. Whatever purpose they can use for sports, I do not understand other than weight training. So I'm thinking that they're perhaps going to use it for something else. They said they were going to tell us at the end of the fall what exactly they were going to do with it. Haven't heard what they're going to do with it. And I would really appreciate it if you would look into it and find out what they're going to do with this room, and why are they taking away a weight room that's really used by seniors. It's very appreciated, and it seems like a small issue, but it's really sticking in our craw. So could you please make sure they're not going to dismantle and get rid of equipment and take away our weight room for a ridiculous, useless purpose that is not going to benefit seniors in the area. Okay, I'm going to look into this. Thank you. And we'll... let you know appreciate what's it. Happening. Good. Thank you for coming. Because for sure, exercise is important, especially for women and osteoporosis and building bone density. And not that I do it, but I've heard it's good for you. So thank you for coming and for your question. Monsieur Dumas and Madame Avanites? Okay. Sorry if I mispronounced that. Madame la mairesse, oui. Madame Popianou, messieurs les conseillers, bonsoir. Bonsoir. Le sujet de ma présence ici, c'est pour vous poser quelques petites questions, 3 courtes questions concernant le projet Promenade Collin. Le 3 septembre dernier, je me suis présenté ici pour poser la question. Madame Popianou étant retenue à l'extérieur, je me suis adressé à vous. Et vous aviez mentionné qu'on me reviendrait avec des informations sur les tenants et aboutissants du projet et qu'est-ce qui se pointe à l'horizon. Respectueusement, personne n'a communiqué avec moi, donc je suis ici ce soir. Okay. Je viens ici surtout quand ça porte à côte des neiges plutôt que d'aller à Notre-Dame-de-Grâce. Alors, on aimerait savoir... qu'est-ce qu'il y en est du projet Promenade Collin et quelles sont les suites à tout ça. Je ne vous demande pas de répondre ce soir compte tenu du temps et la
soirée qui est un peu longue, mais est-ce qu'il serait possible de vous soumettre, de convenir, d'avoir une rencontre avec les personnes concernées pour qu'on puisse savoir exactement ce qui nous attend? Mm-hmm. Et ça, si on pouvait faire ça avant la fin de l'année 2019, est-ce que ce serait trop vous demander? OK. Merci d'être venu. Et je m'excuse que le fait que personne a vous appelé après notre dernier conseil. Alors, est-ce que, Madame Opiano, avez-vous quelque chose à dire ou... Merci, M. Dumas. J'apprécie votre persévérance et le fait que vous déplacez, en plus que vous nous contactez. Donc, pour la compréhension du public qui est présent dans la salle, donc, il s'agit de la piétonnisation du bout de la rue Colin vers Édouard Montpetit. Vous savez, c'est une décision qui a été prise, je crois qu'en 2017, c'est la création d'un corridor écologique qui part de Darlington. Ça part du coin de Willowdale, voilà, du cul-de-sac de Louis-Collin jusqu'à Édouard Montpetit. Et qui traverse, Edouard donc l'idée c'était de créer des espaces, des endroits qu'on peut verdir, où les gens... resterait en tout cas en paix, en cultivant des légumes ou des... Bon, le problème que vous avez soulevé dès le début du projet, ça a été le fait que c'est le chemin de passage des étudiants et qu'en plus, il y en a un dépanneur juste en avant de cette partie piétonne sur Louis Collin. Donc, ça a été transformé d'un endroit de repos dans un endroit de consommation et de bruit qui dérange les voisins et puis qui diminue la qualité de votre environnement de vie. Nous sommes rencontrés à maintes et maintes reprises. Je suis venue de chez vous, donc on s'est rencontrés. Donc, la personne qui travaille au cabinet. Aussi, on a retravaillé le projet, donc enlevé une partie du mobilier urbain qu'on reconnaît, il n'était pas de qualité, donc on a voulu le faire vite. Donc le mobilier urbain n'était pas de bonne qualité, donc ça diminuait la portée du projet, disons. Et si j'ai bien compris, on a retiré une bonne partie. Il a été détruit par les déneigeurs. Oui, en plus qu'il a été détruit par les déneigeurs. Hein, donc celui qui est resté, donc on a essayé de le minimiser. Maintenant, je ne vous dis sincèrement aujourd'hui, je n'ai aucune information outre celle qu'on a essayé de réduire l'impact de personnes assises qui consommaient devant ou à côté des maisons. Mais on va vous revenir, donc je veux remettre Chaima et M. Plante de nouveau sur le sujet. Si on peut savoir un peu quels sont les prochains plans? Ben, je vais m'en occuper, donc parfait. Moi je vous promets que je vais vous contacter pendant la semaine. Est-ce que je peux vous poser deux autres petites questions? Une autre? Oui, s'il vous plaît. Bon, il y a un résident de l'île Willowdale, un employé de la ville de Montréal qui était au coin de Louis Collin et Édouard Montpetit, direction sud. Et c'est la pente qui nous permet de monter jusqu'à l'Université de Montréal. Et il y a une indication, tourner à droite ou tourner à gauche uniquement, on ne peut pas aller tout droit. Cette personne-là a tourné vers la gauche pour se diriger vers Vincent Dindy. Il a été arrêté par la police et il a reçu un avertissement disant qu'il n'avait pas le droit de tourner à gauche. Mm-hmm. Le monsieur s'est expliqué auprès du policier et puis on lui a donné un avertissement. Ma question est à la suivante. Est-ce qu'il y a un règlement qui se pointe à l'horizon de la ville qui va nous interdire de tourner à gauche? J'ai essayé de imaginer. Non. OK. Non, mais... écoutez, on va discuter. Donc, tous ces, je veux prendre les bonnes informations de M. Plante et puis je veux vous revenir. OK.
puis, mais parce que le signe, je me rappelle très bien, vous pouvez tourner à gauche ou à droite au moment où tous les gens... Donc, il y a haut. C'est parce qu'en ce moment, vous savez qu'avec les travaux qu'il y a au coin de Vincent Dindy, il y a un goulot d'étranglement en direction est sur Édouard-Montpetit. Tout à fait. Sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, on vient d'amputer deux voies. La rue Darlington est maintenant fermée, donc entre Darlington et Willowdale, c'est maintenant un cul-de-sac jusqu'au mois de mai. On a énormément de difficultés à rentrer chez nous et on a encore plus de difficultés à sortir de chez nous. Maintenant, on nous annonce cet hiver des quantités records de neige. Il va falloir que l'îlot Willowdale soit déneigé correctement. Et sachant à quel point les déneigeurs ont une propension de s'attaquer au mobilier, il y a une question que je vous soumettrai à un certain moment donné, c'est est-ce qu'on va libérer tout ça pour l'hiver et voir ce qu'il y en est. Monsieur Dumont, on va regarder attentivement. Donc, les services vous ont compris et vous avez toute ma sympathie. Le carré autour du carré Willowdale, c'est invraisemblable parce qu'il y a des travaux sur Côte-Sainte-Catherine, il y a le REM du côté de Vincent Dindy. Nous sommes très conscients. Madame Popéanou, le projet de promenade de Colin, on n'est pas en désaccord avec ça. Là. Il y a énormément de gens qui circulent, mais on voudrait qu'il y ait un développement qui se fasse correct, qui va permettre toujours la circulation et puis tout ça. Puis comme on vous l'a expliqué il y a 2 ans quand on vous a rencontré, qu'on était prêt à se joindre à des comités là, de gens pour vous faire part de notre véhicule et que ces éléments-là soient considérés dans un projet plus structuré. Vous savez que Mont-Royal, c'est patrimoine du Mont-Royal où on habite. Lorsque nous, on demande à faire des changements, faire des fenêtres, portes, changer une toiture, on doit se présenter à la ville, demander un permis et par la suite, le ministère de la Culture évaluer ça. Je dois vous arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Bonne soirée. Merci d'être venue. Madame Avanites, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, c'est Joanna Avanites. C'est le nom de mon mari. C'est pas mon propre nom. Donc, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si vous avez une vision pour transformer le métro Université de Montréal pour que ça soit inclusivement user-friendly pour les personnes qui sont handicapées et pour mettre un ascenseur comme moi. Je ne suis pas handicapée, mais j'ai une mobilité qui n'est pas à 100%. Donc, j'ai essayé de monter avec mon chariot de bébé aujourd'hui pour aller à une conférence sur la couture et les bibliothèques. Et je trouve qu'il y a beaucoup de, how do you say in French, achalandage, that there is a high traffic volume at the University of Montreal. And surely students who are handicapped would surely appreciate to have an elevator there. Is there a vision in the future to do something in this area? Well, thank you very much for coming, and thanks for your question. Accessibility is a big problem in our city. I would say that we are very much behind and we have a lot of work to do. And I know that the STM is, this is the responsibility of the STM. It's not our decision to put those in, but I know that that's what they're doing now. They're putting one in finally at Vendôme where there's a hospital and at Villa Maria Metro is going in. And I'm sure there's plans for one also at the University of Montreal. So with time, hopefully they will all be accessible. But if you put in your recommendation that it would be possibly a good idea. They might They know that. They know, might look at it harder. Yeah. Thank you. Thank you very much. Would you allow me to add a few words might help you? Yeah. First of all, I don't know why the metro was built without making it accessible. It was a long time ago, and the extensions back in the 1980s and the beginning of the 90s were also built without elevators. The first part of the metro to have elevators, the extension to Laval. I used to work at the STM, so I know a little bit about it, but the costs per station are between $5 and $20 million to retrofit a station. The STM has limited capacities, put in more money, and it's received money from both levels of superior government
to increase its plan for accessibility. More stations are being done per year than in the past, but even so, it's a long-term project. Mm-hmm. It will take over 20 years to assure that there's accessibility everywhere in the metro. There's a series of criteria. The ridership is certainly one of them. And there's a lot of stations which might surprise you are busier than the University of Montreal station. But also it has to do with where they are on the different lines. It's not worth putting an elevator in if you can't get onto that line and get off that line. So there is a plan, and it's the rational basis for the plan. I'm sure the council will be happy to pass on your remarks to the STM, but we'll have to be reasonable about it. And about the Vallon-Vando Metro, that was a special project, and that's almost $80 million to do that project, and was planned a long time ago. Between planning, financing, and realization will be almost 6 years. I knew you were the person to address this to. Thank you. Thank you very much. And thank you for coming tonight. Mr. Atlas, and the other one is one that was written. Hello. Hi, Madam Mayor, councillors. I was going to ask about Hydro-Québec, but I think it was already asked, mm-hmm. so I had a second question, please. I wouldn't dare to question the NDG Avenue bike path. However, my question relates to the carbon that is produced every morning on NDG Avenue east of DeCary until Villa Maria. So there are hundreds, perhaps thousands of cars going eastward on NDG Avenue every morning. And a good number of those cars don't come from NDG. They haven't had the benefit of your pro-cycling education. And they come from outside NDG to drop their kids off at Villa Maria. And they're all, thanks to the bike path, they're all narrowed down to one lane. And the path up to Villa Maria is very slow because children are getting out of their cars one at a time somewhere up the hill. So all of NDG Avenue waits while each child gets out of the car at Villa Maria. In my mind, this is a huge carbon footprint that mm-hmm. this administration is imposing on our neighborhood. All you have to do is allow for east of DeCary on NDG Avenue for there to be a lane for people to get around these cars that are lining up to go up to Villa Maria. There's only one lane, so you've got a bus, got thousands of cars, and everyone's waiting to drop off. If I were you, sort of advocating for less pollution, less carbon, et cetera, I would want fewer cars to be simply idling in this borough. Mm-hmm. What can you do about it? Yeah, I agree that there are too many cars. That's what causes traffic, actually, not bike paths. But and I think it's a big problem, not only with Villa Maria kids, but also LCC. And I've had a meeting with the LCC principals. I have that every year to find a way that we can stop these parents from dropping their kids off every morning. I mean, it's very close to a metro. Same with Villa Maria. I don't know why the kids can't take the metro to school or be dropped off a few blocks away and walk. I understand for primary school kids, it's a different story, but Villa is a high school. So, you know, there has to be some responsibility taken on the part of parents and the school. But that being said, we can look at the configuration of the road. Just one block. Just yeah. one block to make it two lanes, and you'll save a lot of carbon in our neighborhood. Right. So we'll look at that. Thank you. And we have one last question that was written to us, Helena Gianotti. So it's about the project at 6210 Chemin Deacon. Comme Achilles Montréal Limited est une compagnie qui publie avoir comme mission des projets humanitaires et qui est une compagnie qui a commencé à l'origine en Suède avec Roger Achilles et que la Suède a été nommée leader mondial et modèle à suivre en matière d'amélioration climatique et de l'environnement. Comment l'agrandissement de notre édifice par la destruction d'un terrain naturel avec arbres, luminosité et diversité animale peut-il être perçu
par notre arrondissement comme un élément justificatif à atteindre cet objectif de bien-être et d'environnement amélioré. Alors, ça, c'est le projet sur Deakin. J'espère que... Attendez, j'ai des notes sur ça. On travaille là-dessus, mais est-ce que tu as des informations sur Deakin? Alors, aucune demande de permis visant l'agrandissement du bâtiment n'a été déposée à la dose à ce jour pour le 6210 chemin Deakin. Dans l'éventualité de dépôt d'une telle demande, celle-ci devra être conforme à la réglementation et sera assujettie à l'approbation préalable des plans suite à une recommandation de CCU. Alors, et les préservations des arbres et la qualité générale de l'intégration environnementale, incluant l'impact du projet sur l'ensoleillement, font partie des critères d'évaluation qui seront appliqués le cas échéant. Ça, c'est la réponse de cette question. Et la deuxième question, c'est comment l'arrondissement perçoit-il la santé mentale et physique de ses citoyens qui font face à une pollution constante, poussière, fuite de gaz, évacuation, fermeture de rues, coupure de l'eau et électricité, perte de stationnement, bruit excessif dû à la construction déjà en cours depuis les deux dernières années dans les rues adjacentes à notre immeuble. Alors, c'est une bonne question et on reçoit beaucoup de plaintes, mais malheureusement, nous devons agir pour remplacer les entrées d'eau en plâtre afin d'offrir une bonne qualité d'eau. Alors, depuis des années, rien n'a été fait sur notre infrastructure et maintenant, on doit le faire. Alors, depuis 2017, l'arrondissement a procédé au changement de 2675 entrées d'eau en plâtre de domicile privé. Alors, malheureusement, il y a hier beaucoup de poussière, beaucoup de buis, mais au moins, ça va terminer un jour et on va avoir de l'eau propre et des rues bien faites. Alors, ça termine notre période de questions. Madame la mairesse? Oui. Sur cette deuxième question, je ne pense pas que la citoyenne parlait vraiment des enjeux des travaux d'entrée d'eau, entre autres, mais plutôt les travaux sur la rue qui est juste à côté de Deakin, sur la rue Lennox. Okay. Madame Jonati m'a contacté plutôt ce mois-ci. Je l'ai encouragé à venir poser des questions. Moi-même, j'ai posé des questions à M. Plante, que je suis toujours en attente de recevoir, justement sur la mise à jour de cette situation-là. J'aurai l'occasion de poser des questions dans la prochaine section. Oui. Alors, merci beaucoup pour cet ajoutement. Alors, c'est la fin de notre période de questions. Alors, on passe maintenant au point 10.06, période de questions des membres du conseil. Oui, ici. Oui, Monsieur Rotran. Bonsoir, j'ai quatre questions très, très brefs. Je commence à la première pour travaux publics. Cette année, l'arrondissement a remplacé beaucoup d'entrées d'eau en plomb. D'habitude, ce travail fait abîmer les chaussées. Et je constate, comme dans le passé, les chaussées ne sont vraiment pas d'allure où on a travaillé. D'habitude, les travaux publics font la planification pour rechausser ces routes l'année après qu'on change les entrées d'eau. Et d'habitude, on a déjà commencé la planification. Est-ce que nous avons des nouvelles concernant l'argent qui va nous permettre en 2020 de faire ce qu'on a toujours fait dans le passé, de rechausser les rues où on a fait des travaux d'entrée d'eau? À l'heure actuelle, on n'a pas de nouvelles encore. Ça, on n'aurait pas d'argent. La ville centre.
C'est l'information qu'on a jusqu'à maintenant. On sait que le budget n'est pas encore adapté de la Ville-Centre, mais l'information qu'on a jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'aurait pas d'argent pour ce genre de travaux-là l'an prochain. C'est troublant, vraiment troublant. Merci pour la réponse. Deuxième question. L'arrondissement a installé des bollards sur la rue Fielding pour protéger les pistes cyclables. Est-ce que ces bollards vont rester là pendant l'hiver, toute l'année, ou est-ce qu'ils vont être enlevés pour la saison hivernale? Je ne le sais pas, M. Vautrin, honnêtement. Je vais vérifier, puis on va revenir. Ça se peut qu'il y en ait, qu'on ait enlevé pour faire du nettoyage à certains endroits dans ce coin-là. Je pense que M. McQueen est au courant un petit peu. Hein? Je pense qu'on les a enlevés à certains endroits, dans le fond, parce qu'il y avait une accumulation incroyable de feuilles, et c'était sale, etc. Puis le balai ne passe pas, c'est trop serré. Donc, je pense qu'il y a eu, on en a enlevé quelques-uns pour le moins pour passer, mais je le prends en note puis je vous reviens. Merci. Troisième question pour le DOS. Peut-être Mme Bédard peut m'aider. J'ai un cas dans mon district où un propriétaire demande un permis. Effectivement, elle a envoyé des avis à tous les locataires pour évacuer les lieux qui ne renouvelaient pas leur bail, qui est une question pour le régie logement. Mais ceux qui demandent à l'arrondissement un permis pour agrandir tous les logements petits dans le bâtiment et de faire plus petits tous les grands logements. Finalement, ceux qui demandent le même numéro d'unité et le même pied carré, qui semble une façon d'utiliser l'arrondissement pour évincer les locataires. C'est quoi nous pouvoir comme arrondissement quand il y a des requêtes comme ça qui me paraissent à première vue de ne pas être en bonne foi? J'aimerais vous dire qu'on peut intervenir, M. Rotran, mais à l'intérieur de notre réglementation, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Évidemment, ce que je comprends du dossier, c'est que le propriétaire, effectivement, fait des travaux majeurs là, de rénovation dans son immeuble. Puis la régie du logement, normalement, devrait exiger du propriétaire d'offrir au locataire de revenir dans les logements par la suite. Alors, peut-être qu'ils auront à déménager. Si vraiment il prend ses petits logements pour en faire des plus grands, au final, il y aura peut-être les mêmes typologies de logements qui pourraient convenir. Mais effectivement, c'est des pratiques qui sont malheureuses pour lesquelles il est très difficile pour nous d'intervenir. Je comprends, mais à mon avis, point de vue, on va perdre une trentaine de logements abordables pour avoir des logements qui vont être exactement pareils en grandeur. Même nombre de logements, mais les loyers vont être beaucoup plus élevés et probablement occupés par des différentes personnes. Ça me semble une faille dans notre réglementation. Je vais discuter avec les collègues pour voir si on peut faire des changements pour essayer de fermer ce trou dans la réglementation. My fourth question was actually for Ms. Montgomery, dealing with the budget, given that she had to leave the room. Ms. Montgomery, my question is to you. I'd like to know, given that I voted against the budget, I didn't think it was a good practice that we're using our surplus to essentially maintain services in our operational budget. And I hope that doesn't become a practice in the long term, but I'm extremely worried about our limited capital budget, which in the past has always been topped up by past administrations. Mayor Tremblay was very generous to this borough, Mayor Coderre as well, and Projet Montréal for the first 2 years maintained the same policies as a previous administration, but it looks like we won't get any additional funds for road repaving or major work. I'd like to know if you've made any approaches to Benoit Doré and the city administration. What sort of guarantees have they given you? You were only able to answer citizens last month that we're getting 1% more in our dotation, although inflation is 2% more. And with the shift in taxes, where all our taxpayers will be paying slightly more and people in other boroughs slightly less, we have just as much right to have services as everybody else. So I want to know if you have any commitment or guarantee from Mr. Doré that the city of Montreal will pump in more infrastructure money, particularly for road repaving in our borough. Well, the information that, of course, I've spoken to both Mr. Doré and Madame Plante, but the reality is there is not going to be a lot of money. I don't have a figure, but there isn't a lot of in the PTI. Well, I
would invite the colleagues to work, all of us to work together to get more for our borough. It's happened. We are. It's happened before in the past that the borough council didn't vote for a budget, even those who were with the party in power, and it led to a review of our budget and more funding. I'm not happy with the capital budget, but I can live with your problem for at least a year or two. Mm-hmm. But when it comes to repaving our roads and repairing things and sprucing up our parks and stuff, and when we know we don't have enough money, we've always relied on Center City doing the right thing, and they're not doing the right thing this year, it's a loss for all our citizens. That's not a partisan issue. It affects everyone from Loyola all the way through to Darlington. Okay, thank you. Mr. Perez? I don't know. Merci, Madame la mairesse. J'ai quelques questions. Ma première question, c'est en lien, comme suivi ou des précisions, avec la question écrite de la citoyenne pour le 62-10 Deakin. Donc, comme ça a été mentionné, il y a eu une rencontre citoyenne avec le propriétaire, avec les locataires actuels, pour leur informer qu'ils allaient de l'avant avec une rénovation importante, un agrandissement de l'immeuble. Il y a plus d'une vingtaine d'arbres qui vont être abattus et tous les locataires vont devoir quitter les lieux pendant 1 à 2 ans. Ils ne savent pas encore. Donc, ça met vraiment beaucoup de pression pour ces personnes-là qui sont là, dans certains cas, depuis des décennies. On peut comprendre, avec le marché actuel locatif, la flambée du coût, l'impact que cela aura. Alors, ma question, c'est que j'ai bien compris qu'il n'y a pas une demande qui a été soumise, mais est-ce qu'il y a une demande d'avis préliminaire? Est-ce que les services travaillent sur un projet actuellement? Non. Donc, il n'y a rien vraiment sur la table. D'accord. Est-ce que je peux vous demander que, si jamais ce dossier évolue, de m'en informer en tant que conseiller du district, s'il vous plaît? Je vous remercie. Cette question m'a poussé à réfléchir sur la situation qu'on a vue récemment dans d'autres parties de la ville, ce que a été nommé la rénoviction. Hein, il y a plusieurs, des fois, certains promoteurs qui achètent des bâtiments où ils sont propriétaires, ils veulent le redévelopper, et puis ils font des rénovations importantes, des agrandissements, pour ensuite forcer les locataires à quitter les lieux. Techniquement, ils ont le droit de revenir, mais si c'est 2 ans plus tard, ce n'est pas évident que ces personnes-là vont vouloir revenir, des fois à des prix beaucoup plus hauts. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on a dans nos règlements quelque chose qui peut essayer de nous prémunir contre ce genre d'ajustement? Je comprends qu'il y a une grande partie, c'est la compétence de la régie du logement, j'en conviens, et on n'est pas là pour remplacer le rôle ou la compétence, mais je me demande, est-ce que nous, on a certains outils pour essayer de diminuer, minimiser, pallier à ce genre de problématique? Moi, à ma connaissance actuellement, je n'en connais pas, mais c'est une chose qu'on pourrait regarder. Je pense aussi qu'on devrait en discuter avec le service de l'habitation. Probablement qu'ils sont en train de réfléchir à la question. Alors, on pourra voir s'il y a des choses qu'on peut peut-être durcir à l'intérieur de notre réglementation. Faut voir là, jusqu'où on peut intervenir. Merci beaucoup. Prochaine question, c'est plutôt un commentaire, c'est un remerciement au service. J'ai reçu mercredi dernier une demande d'un citoyen pour un permis d'occupation du domaine public en matinée. Il a été chanceux qu'on avait le conseil ce lundi et que les dossiers n'étaient pas complètement ficelés. Alors, ça a été fait de façon express. Je tiens à remercier Mme Gourdeau, toute l'équipe, pour leur collaboration. Et puis, évidemment, il aura eu la chance d'avoir sa parade. Donc, merci beaucoup. My last question is for Mrs. Montgomery, our mayor, in connection with the statement that I made at the beginning of council. And to ask her, why did she decide to institute this new policy restricting my ability to speak to Monsieur Plante on specific questions related to agenda items or to matters regarding citizens as part of course. As everyone knows, over the last decade at least, we've never had such a policy. There's always been a political relationship. When Mr. McQueen
was the sole representative of Projet Montréal. He was able to speak to Mr. McQueen in the last mandate. All of us were different political stripes. We were able to speak to Monsieur Plante on these matters. There was never such a restriction. So I need to know, why is it, Mrs. Montgomery, that you decided to institute this policy, and are you going to revise it to do what's in the best interest of the citizens and allow elected officials to represent them, defend their interests in a proper and professional manner? Thank you for that question. I think my concern is that we run a efficient and coordinated borough so that everybody has the same information. So what I would like to do, and this goes for all councillors, is we go through our staff. And the staff in my office works for all the councillors, and that way we all get the same information. You're not, you know, one councillor's not going to a director and somebody else going to a director. The information, it's not like broken telephone. We all get the same information. So this is common practice in other boroughs, and it's not like I'm telling you not to talk to anyone. I'm saying that I want to coordinate the information more. If there's a specific problem that you could outline in the last 2 years where my talking and asking and emails with Mr. Plante has been a problem, I'd like to hear it. Because I respect the channels. I do, when it's relevant, speak to your staff. When they have issues, I speak to them. But it doesn't mean that every single request that I make, for example, the request regarding 6210 Deakin was a request that I made with respect to following an inquiry from a citizen. That is not something that I have to necessarily submit to your chief of staff for approval, for review, or for whatnot. If you want to talk about a way of working together, I have no problem with that. But unless there's a problem that you can outline, unless you can demonstrate that there's been some kind of a political act or some kind of inappropriate way of dealing with things, then I'm sorry, it's a problem. I always deal with Mr. Plante. I do not go to the other directors. If I do, it's only because Mr. Plante has authorized it. And I will ask you to have that conferred by concurred by Mr. Plante. Mm-hmm. I respect the services. I respect your cabinet. I respect everybody here. We've always had, I believe, cordial, professional relationships, and this will only undermine my ability to represent and defend my interests and the interests of my citizens. I don't see how it undermines it at all. And as mayor of the entire borough, including your district, I need to have all the information that is being handed out to all the councillors so that I know what's going on in every single district. You know, for example, in this file, you have different information than I had. I want to have the same information as all councillors have so that I know what's going on in our borough so I can respond to the citizens when they come to council with a question or they write to my office. I need to know what's going on. The information I got was from the citizen directly. You want me now to report to you to every single conversation that I get from citizens so that you're up to speed? Yes, you're the borough mayor, and you have a role to play. As city councillor, I have a role to play. You want a concrete example of how it affects? Very simply, we have a file, we have two files, where there's specific information that I requested to get detailed to be able to make an informed decision. I was declined that information. Your chief of staff knows what information I requested, and it was still declined. You had all the information. I don't have the information. I'm now going to have to ask questions to the services. I'm going to have to delay the council. I may not have all the information that I need tonight to make that informed decision. That is a direct assault on my ability to be an efficient and elected officials and do what's in their best interest. I believe this is nothing more than an attempt to control and to have access to people, to elected officials that are not on your political party, and it's a way of politicizing elements that should not be political, Mrs. Montgomery. I'm going to ask you to
reverse course on this action. If you have specific issues on how you want to have access, I have no problem, Mr. Plante, CCing you. You don't have to Mr. Plante, CCing you on responses that I've made so that you can stay informed. But I should not have to ask permission to speak to Mr. Plante. So if you want him from now on to CC you or BCC you on every reply he gives to me, no problem. But I shouldn't have to go through your office to be able to get information that my citizens expect of me. The rule applies to all counselors. It's not just you. So that doesn't make it right, Mrs. Montgomery. Well, I, as mayor, I've decided that this is what we're going to do, and I need all the information. So that is how I've decided I'm going to get it. Well, I'm going to conclude on saying that I think this is a direct assault on the privilege of an elected official, on democracy, on transparency, and on accountability. And I'm going to reserve my rights to do what I think is in the best interest of my citizens. Okay, we'll move on now. Unless there are any more questions. 10.07. Le point correspondance, donc il n'y a aucune correspondance ce mois-ci. 20.01. Accorder un contrat à Terrassement Limoges et Fils pour les travaux de réaménagement du jeu d'eau du parc Notre-Dame-de-Grâce et autoriser une dépense à cette fin de 180 106,97. Je propose fermement. Et j'appuie. Adopté. 20.02. Accorder à Arboriculture de Beauce un contrat d'élagage systématique et rabattage d'arbres publics sous le réseau de distribution d'Hydro-Québec et autoriser une dépense à cette fin de 349 870,08. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.03. Résilier le contrat de service professionnel avec la firme GR7 Architecture dans le cadre du projet de réaménagement, de rénovation et de mise aux normes du gymnase et du dojo au centre Le Manoir. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.04. Autoriser une dépense de 137 970 $, taxes incluses, soit 45 990 $ par an, pour le paiement relatif à l'entente de service entre l'arrondissement et Ville-Mont-Royal pour le secteur Glenmont pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.05. Approuver le projet de première convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de la compagnie Cité des locaux de l'immeuble situé au 6650 chemin de la Côte-Saint-Luc pour un terme d'une année à compter du 1er octobre 2019 et pour une dépense totale de 207 659,68. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.06. Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 4 555 $. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.07. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 50 831 $ à différents organismes dans le cadre de l'édition 2019 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et dans le cadre de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants et approuver les projets de convention à cet effet. Je propose avec grande fierté. Et j'appuie. Adopté. 20.08. Accorder une contribution financière au Carrefour Jeunesse Emploi Côte-des-Neiges et Carrefour Jeunesse Emploi Notre-Dame-de-Grâce, totalisant 20 000 $ pour la réalisation du projet pilote Brigade Neige et approuver les conventions à cette fin. Je propose. J'appuie. J'ai une question. Oui. Bon, j'aimerais juste comprendre la portée de financement pour ce projet. Le dossier est déposé en séance tenante. Est-ce que tout le financement vient de nous autres, le 20 000? Et sinon, c'est combien total et c'est quoi la capacité? On l'a dit, Marc. Combien de personnes peuvent être servies par ce service? Ce programme semble très intéressant, mais je pense que la demande va largement être beaucoup plus que la capacité de livrer. Je ne veux pas que les gens soient dessus. Je comprends que le CLSC va être dedans et faire le triage des priorités, qui doit être desservi, mais ça implique pour moi probablement avoir une liste d'attente. Donc, j'aimerais juste mieux comprendre où on va aller avec ça. Mr. Rochman, I can answer that for you. It's $10,000 from the city and $10,000 from the borough.
to start, yeah. And if we find that there's a bigger demand, then we will increase that. Okay. Even at 20,000 or even at 40,000, I just want to say it's a limited capacity. There are a lot of people, once they hear about this, will want to be part of this mm-hmm. program. And I don't know how much we want to really put in and whether this is, you know, something that we see as a major service we want to provide in the future. And I realize it's a pilot project. Mm-hmm. But, you know, you're going to hire employees, and I presume they're going to be paid at least $15 an hour minimum wage. So, you know, plus benefits. That really, that's 20,000 is going to go really quickly at that case. Well, we'll see what kind of demand we get. Like I said, nobody took me up on my offer. So. Nobody, well, yeah. Okay, so, I just want to... We'll do it and we'll see how it goes, and then we'll make adjustments as necessary. I don't want to oversell it to the population either, that people think that, you know, unless they have a real, real need, that they can probably get this service. Okay. Yeah. Okay. And let's review it. Let's have a report to review it in April or May at the council. Okay. Alors, adopté, 20.09. Mandater la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social pour négocier une entente de principe avec la commission scolaire de Montréal qui viserait à intégrer des locaux communautaires au projet d'agrandissement et de rénovation de l'école Les Enfants du Monde. Je propose. J'appuie avec plaisir. Oui. Adopté. Excuse-moi. J'aimerais dire que mon point de vue, et je l'ai exprimé assez souvent, une citoyenne qui habite n'importe où dans notre territoire a le droit de la même service. Et les élus, n'importe quelle étiquette politique ou whatever, doit travailler ensemble pour assurer l'égalité des services partout. On doit pallier les besoins où ils sont des besoins. Quand il y a besoin communautaire, on doit trouver des solutions qui sont innovatrices et répondre à la besoin. Mais j'ai peur, malgré ce dossier qui est très intéressant, et je souligne encore le bon travail de la commissaire scolaire de le secteur, Mme Mastromanico, qui est à la source de ces 6,4 millions de dollars pour effectivement cette 3,2 plus 3,2 on their end, 6,4, okay. Qui est à la source de ces 6,4 millions de dollars. Je ne veux pas que cet argent disparaisse avec l'abolition des commissions scolaires. C'est un risque qui existe. C'est une des raisons pour lesquelles je pense important de s'exprimer en faveur de la maintien des commissions scolaires élues. We have no guarantees going forward if this bill is adopted. I heard that there's going to be a debate at City Council. I invite everybody to be consequent with the words they say here when they vote at City Council. Alors, adopté. 30.01. Accepter l'offre du Conseil de la Ville d'offrir au Conseil d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 3-1 sur l'ensemble des plages horaires. Je propose. J'appuie. Adopté. 30.02. Approuver le calendrier des séances ordinaires et les lieux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 30.03. Modifier le lieu de la tenue de la séance ordinaire du lundi 2 décembre 2019 afin qu'elle se tienne dans la nouvelle salle du Conseil au 5160 boulevard des Carrés. Je propose. J'appuie. Commentaire, Mme Amérès? Oui. Alors, comme le souligne ce mandat décisionnel, on est actuellement au dernier conseil d'arrondissement qui sera à l'extérieur de notre salle de conseil permanent. Au 5160 des Carrés dorénavant. Donc, on aura un lieu. Dédié. C'est un peu un petit amer bittersweet, comme on dit. Hein? Je pense que ça va être extraordinaire d'avoir un espace permanent. Je pense que ça va simplifier la chose pour beaucoup de résidents. Il y aura évidemment disponibilité d'accès de services en commun, etc. D'un autre côté, je pense qu'il y avait un certain avantage de faire la tournée afin de permettre aux différents citoyens et citoyennes d'avoir accès, pas nécessairement. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on devait faire. Je pense que c'est la bonne décision que nous avons prise. Mais néanmoins, je tenais à souligner ça. Merci. Merci. Adopté. 30.04. Approuver l'affectation d'une somme de 3,2 millions du surplus libre de l'arrondissement pour le projet conjoint avec la CSDM visant la rénovation et l'agrandissement de l'école Les Enfants du Monde.
Je propose. Et j'appuie encore une fois avec plaisir. Adopté. 30.05. Mandater le service des affaires juridiques afin de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris un recours devant la Cour supérieure, pour faire démolir l'immeuble incendié situé au 55-57 chemin de la Côte-des-Neiges. Je propose. J'appuie, pardon. Madame la mairesse. Oui. Donc, je voulais seulement souligner que c'était vraiment le temps de faire, d'agir dans ce dossier. On a attendu que le propriétaire dépose un projet, mais malheureusement, ce n'est pas produit. Donc, on va prendre les mesures. C'est vraiment pas normal qu'un bâtiment comme ça reste sur la terre commerciale. Merci. Adopté. 30.06. Demander au comité exécutif d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère de l'Environnement d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour l'installation d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella pour le lot cité. Je propose. J'appuie. Adopté. J'appuie. Just want to say a few words. C'est un dossier que nous avons refusé dans le passé. Et la raison pour laquelle on accepte est parce que le promoteur dans ce projet va payer tous les coûts. Ça, c'est ma compréhension. Ça va être, je pense, vers 200 000 $. C'est un coût qu'on n'a pas été capable de supporter dans le passé pour le bénéfice à l'arrondissement. Effectivement, les négociations avec le nouvel propriétaire, on accepte leur offre. Mm-hmm. Adopté. 30.07. Offrir au conseil municipal la prise en charge de la conception, de la coordination et de la réalisation des travaux pour l'installation d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella, en vertu de l'article 85.2 de la Charte de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.01. Édicter une ordonnance établissant l'implantation d'une zone scolaire sur l'avenue Borden entre les avenues Summerlead et Bessborough. Je propose. Et j'appuie. Là-dessus, juste un petit mot très rapidement. Tout comme on a agrandi une zone scolaire le mois dernier, dans le même coin, pas mal, on le fait cette fois-ci pour le nouvel annexe de l'école Marc Favreau qui se situe dans l'ancienne place Borden. Un autre bel exemple de la collaboration entre la commission scolaire et l'arrondissement. C'était pendant cette administration qu'on a traité les demandes de permis, qu'on l'a vu en CCU, tout ça. Alors, je tiens encore une fois à remercier la commissaire Mastromonaco ainsi que les services d'avoir traité ça avec ce que doit-être, c'est le bon mot, je pense que oui, pour le bien-être des élèves de Marc Favreau. Alors, merci à toutes et à tous. Merci. Adopté. 40.02. Édicter une ordonnance établissant l'implantation de panneaux d'arrêt toutes directions sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine à l'intersection de l'avenue Gray. Je propose avec gratitude. J'appuie. Adopté. 40.03. Autoriser l'occupation du domaine public selon la liste des événements tels que modifiés et d'édicter les ordonnances afférentes. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.04. Madame Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2020-2022 un règlement d'emprunt autorisant le financement de 6 014 000 $ pour la réalisation de réfections routières et de réparations mineures de trottoirs et dépose le projet de règlement. Donc, c'est un avis de motion. 40.05. Madame Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté dans le cadre du PTI 2020-2022 un règlement d'emprunt autorisant le financement de 2 709 000 $ pour la réalisation de travaux de réaménagement dans divers parcs de l'arrondissement et dépose le projet de règlement. 40.06. Madame Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté dans le cadre du PTI 2020-2022 un règlement d'emprunt autorisant le financement de 6 267 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection et de protection d'immeubles et dépose le projet de règlement. 40.07.
Madame Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il serait adopté un règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et dépose le projet de règlement. 40.08. Madame Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance du conseil d'arrondissement ou qu'à toute séance subséquente, il serait adopté un règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2020 et dépose le projet de règlement. 40.09. Adopté tel que soumis le second projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme afin d'interdire les hôtels, appartements et les hôtels dans les zones citées. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Question. Oh, oui. Étant donné qu'on va arrêter les hôtels sur Saint-Jacques pour les raisons qui me semblent un peu vagues, même maintenant après deux, trois discussions en caucus, j'aimerais savoir si le service aménagement urbain veut reconcentrer le développement des hôtels dans le secteur du boulevard de Cary, surtout dans le secteur nord. Je pose la question parce que déjà, il y a trop de circulation. Les rues ne fonctionnent pas. Il y a des intersections comme Jean Talon de Cary qui, pour une grande partie de la journée, sont complètement dysfonctionnelles. Et nous craignons la possibilité d'un grand développement sur le site Royalmont qui va ajouter des dizaines de milliers de voitures. J'aimerais savoir si j'ai raison, si le service propose que de Cary devienne une zone de développement des hôtels. C'est quoi les solutions pour assurer qu'il n'y a pas une augmentation de trafic véhiculaire? Il y a un lien entre les hôtels et les autos qui arrivent aux hôtels. Et étant donné qu'il n'y a pas une infrastructure lourde de transport en commun qui lie soit l'aéroport à ces zones-là ou des autres zones d'entrée à Montréal, je crains qu'un tel geste va effectivement empirer la situation sur les voies de service de Cary et sur l'autoroute de Cary. Certain que, bon, en retirant les usages sur Saint-Jacques, on continue d'autoriser les hôtels ailleurs. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande plus importante pour la construction d'hôtels le long de Descaries. Ce qui fait quand même du sens au plan du développement urbain comme type d'usage le long du boulevard Descaries. Au niveau des questions de circulation, ce sont des questions qu'on regarde avec le service des travaux publics dans chacun des cas. Il y a des solutions qui sont trouvées de façon ponctuelle pour chacun des projets jusqu'à présent. L'achalandage qui est généré par ces hôtels-là sont pas très significatifs dans les études qu'on a eues jusqu'à présent. L'autre élément qu'on essaie de travailler aussi avec les développeurs, c'est de voir la possibilité d'ajouter des navettes pour qu'il y ait moins d'utilisation d'automobiles, alors que les hôtels s'organisent entre elles pour offrir des services de navettes communs. Alors, c'est des choses sur lesquelles on essaie d'inciter les développeurs à travailler ensemble. Il va falloir qu'on soit innovant en matière de mobilité pour ces nouveaux usages. Je suis heureux d'entendre que vous avez les mêmes préoccupations que moi. Mais dans le secteur, déjà, un nouveau Hilton soit construit dans le projet Westbury. On a tout ça. Mais il y a des fortes rumeurs d'un projet majeur au coin de Vézina et de Cary côté sud-est, qui va ajouter 200 places de stationnement et effectivement avoir un hôtel dedans. Et la possibilité des autres hôtels dans le secteur un peu plus au sud. C'est trop, et effectivement, pour des raisons de mixité sociale et un développement sain sur de Cary, il faut commencer de faire une limite sur le nombre des hôtels qui peut installer là. Ça ne doit pas devenir une zone uniquement des hôtels. Je dis ça disant qu'il y a deux ou trois projets en plein droit qui viennent d'être construits, les logements à 6500 de Cary, 6700 quelque chose de Cary, qui est des bâtiments 6, 8 étages, complètement résidentiels. On n'a pas dû les traiter ici parce que plein droit. Donc, les gens,
commence à se craigner de la situation véhiculaire sur la voie de service. You know, chaque fois que je demande une étude d'un service, mais travaux publics viennent dire qu'on est à capacité 100% déjà. Donc, on ajoute des générateurs de plus de circulation, ce n'est pas une solution. Donc, je compte sur le DOS de trouver des solutions, incluant la possibilité d'un moratoire après la the completion of the Hilton project. We don't really need more hotels clustered in that zone. OK, adopté. 40.10. Adopté tel que soumis le règlement modifiant le règlement d'urbanisme afin de restaurer le zonage commercial et industriel de la zone 0201. Je propose. J'appuie. J'aurai des questions à Mme la mairesse. Merci. Donc, avant que je présente mon argumentaire pour voter contre, j'aimerais poser quelques questions au service. Donc, j'ai évidemment lu le sommaire décisionnel attentivement et j'apprécierais quelques précisions, M. Plante, Mme Bédard. Concernant la justification au sommaire décisionnel, laisse-moi ressortir, pardon. On parle principalement de... Excusez-moi, ça revient tout de suite. Bon, voilà, page 8 du sommaire décisionnel. Donc, la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, la DAOS, recommande l'adoption du présent règlement pour les raisons suivantes. La construction d'habitations dans la zone 0201 n'est plus judicieuse compte tenu de la proximité de la voie ferrée et des activités de la cour de voirie. Actuellement, est-ce que nous avons un immeuble qui est en proximité de la cour de voirie et de la voie ferrée, qui est déjà construit? Là, vous parlez au coin de Darlington et de Bates. Exact. Oui. Bon, ici, la situation est un peu différente. Le terrain auquel on fait référence... J'ai pas demandé la différence. OK. Je vais vous donner l'opportunité de tout expliquer, oui. Rien que je demande quelques précisions, et évidemment, je vais vous écouter. À l'est de Darlington, il y a des projets résidentiels près de la voie ferrée. Okay. Donc, la propriété juste à côté, de celle qui est plus à l'est concernée par la zone 0201, actuellement, on a un projet qui a été approuvé, n'est-ce pas? C'est l'ancien Building Weeders. Oui, le projet a été approuvé, oui. Excusez, c'est parce qu'il y en a beaucoup dans ce coin-là. Là, je ne veux pas les mélanger, mais effectivement, il y en a un qui est approuvé au coin de Darlington. Parfait. Et juste à l'est, et celui-ci est juste derrière les voies ferrées. Oui, effectivement. Et à l'est de celui-là qu'on vient de parler, notamment au projet 40.14, à l'item 0.14, on a deux autres projets qui sont voisins, qui... sont là pour adoption. Est-ce exact? Oui. Et ils sont le dos, si vous voulez, ou l'arrière de ces deux immeubles sont vraiment juste à côté de la voie ferrée. Oui. Mais ils sont, disons, entre 100 à 250 mètres, et corrigez-moi si j'ai tort, de la cour de voirie. Approximativement. Oui, on pourrait dire oui. Oui. OK, parfait. Parfait. Maintenant, si vous voulez expliquer, Mme Bénard, ou des nuances, allez-y. Pardon. Pour la zone 0201, dans le justificatif qu'on a apporté, en fait, c'est que le terrain est coincé entre la voie ferrée et la cour de voirie. Alors, il n'y a pas que la voie ferrée qui se trouve à être une nuisance pour le développement de l'habitation, mais il y a la situation qu'on est coincé entre deux générateurs importants de nuisances. Pour ce qui est des voies ferrées, il y a quand même des autorisations qui peuvent être données pour construire des habitations en bordure des voies ferrées. On en a plusieurs exemples à Montréal. Alors, c'est la raison pour laquelle on recommande l'approbation des autres projets de développement résidentiel le long de la voie ferrée. Mais ils ne sont pas dans la même situation de nuisance compte tenu que il n'y a pas de cour de voirie à côté. Est-ce que, M. Plante, savez-vous si on a eu des plaintes, notamment de l'immeuble qui est là depuis au moins 4 ans, au coin de Bates et de,
et de Darlington. Moi, en tant que conseiller municipal, je n'en ai jamais reçu de plainte des bruits de la cour de voirie. C'est juste en face, à votre connaissance. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à notre bureau. OK. Donc, à vous, à votre connaissance, vous n'en avez pas? À ma connaissance, à moi, non. Parfait, merci. Alors, j'entends l'argument, la proposition, la distinction de Mme Bédard. J'aurai la chance d'en parler dans mon argumentaire. Le deuxième point, c'est le retour des usages commerciaux et industriels autorisés de plein droit favorisera l'occupation des bâtiments existants, ainsi que le maintien et la création d'activités économiques. Corrigez-moi si j'ai tort, Mme Bédard, mais actuellement, il y a un droit acquis sur ces bâtiments. Donc, on peut, dans une certaine mesure, avoir des activités commerciales. Et effectivement, il y en a qui en ont déjà. Moi, je le sais parce que je le visite de temps en temps, ce secteur-là. Est-ce exact? Oui. Parfait. On avait reçu une demande plutôt cette année pour une des propriétés. Donc, pour une des propriétés qui est visée par ce changement de règlement, pour faire, si je m'abuse, un genre de location d'entrepôt. Et suite à cela, et suite à l'analyse de la dose et la réévaluation de la situation que vous avez décrite, on a décidé, au lieu de faire un changement ponctuel, de changer tout le zonage. Alors, à votre connaissance, c'est ça l'activité économique dont on parle, au moins pour ce propriétaire-là? Il y a cette activité-là, mais le propriétaire, on ne connaît pas l'ensemble des activités qu'il veut développer dans le bâtiment, mais il nous a laissé entendre qu'il y aurait d'autres types d'activités aussi qui pourraient s'y retrouver. Compris. Alors, toutes les activités commerciales et industrielles doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment, ne causer aucun risque, on est d'accord à cet égard-là. Merci, Mme Bédard, pour les précisions. On a eu la chance, chers collègues, de parler au caucus. Je vous ai partagé ma vision de ce secteur-là, où on a vu une forte évolution au cours des 15 dernières années. Pour ceux qui ne savent pas, le secteur Bates, notamment, était commercial semi-industriel pour des années. Et suite à une volonté de notre arrondissement, mais également des arrondissements voisinants, notamment Outremont, et ainsi que la ville liée, la ville Mont-Royal, de changer le zonage, de le faire résidentiel, on a vu un changement incroyable au cours des 15 dernières années, où on a eu plusieurs logements dans notre arrondissement, mais également dans l'arrondissement voisin. Certains étaient condos et certains sont locations. On a vu également... On est en train de revoir et donc une densification de ce secteur-là. On a également la station du REM, la station Canora, qui est à moins de 500 mètres en moyenne. Donc, on voit tous les atouts, tous les avantages de pouvoir aller de l'avant avec cette politique qui avait été mise en branle bien avant notre arrivée. On commence finalement à voir les fruits de ces décisions-là. Et là, pour des terrains qui, je l'avoue, ont des défis particuliers, on coupe l'herbe juste au pire moment. On est en train de dire, maintenant que tout le développement a eu lieu, là où vraiment il y a un intérêt, il y a une possibilité de redévelopper les derniers propriétés vacants sur lesquels il y a plus de défis, mais auxquels, maintenant qu'il y a eu toute la construction autour, la valeur rajoutée pour ces terrains-là est au rendez-vous. Ils ont la capacité de maximiser, si vous voulez, le retour sur investissement. On fait marche arrière. Et la conséquence, c'est que ces terrains-là, on va les condamner pour au moins une génération. Parce que c'est... Pardon? Plus qu'une génération. Au moins une génération. Parce que les propriétaires qui vont l'utiliser pour des fins... commercial, ils vont pouvoir le faire à très peu de coûts, très peu d'investissements. Ils vont pouvoir maximiser leur rendement. Et c'est dommage parce que le fait qu'ils avaient demandé justement une demande de changement, ça démontre qu'il y avait du potentiel. Alors, moi, je pense qu'on fait collectivement fausse route si on va de l'avant avec cela.
Je comprends les défis particuliers, mais si le fait qu'il y avait un projet qui était prêt à être déposé sur un des propriétés, avec les défis, ça démontre qu'il y avait un intérêt. Et on peut tous voir comme quoi il y a un avantage à ce qu'il y ait plus de logements. J'en ai entendu mes collègues le parler sur un autre projet. Il y a des besoins locaux. Ville-Mont-Royal, qui a effectivement développé le secteur et sur lequel on est mitoyen, va créer un parc. Ils ont acheté un terrain, ils ont exproprié un terrain sur lequel tous les usagers, que ce soit de Ville-Mont-Royal ou de Montréal ou de notre arrondissement, vont pouvoir en tirer bénéfice. Alors, moi, je pense que il y a du potentiel encore. Il y a des défis, il y a des moyens, il y a des technologies pour pallier à ces défis-là. L'expérience nous apprend qu'à date, on n'a pas eu de problématique avec les nuisances potentielles. Et je pense que le potentiel économique est tellement minime que malheureusement, ce n'est pas à l'avantage collectif de notre arrondissement. J'encourage donc mes collègues à voter contre ce changement. Je vous remercie. Merci. Alors, oui, monsieur Vautrin. J'ai voté en faveur de ce projet en première lecture pour permettre une consultation. J'ai lu le résultat de la consultation. Ce n'est pas exactement convaincant. Des propriétaires qui sont adjacents, qui vivent commercial, parler en faveur de commercial industriel. Celle qui veut construire le logement, à parler en faveur de logement. Les citoyens sont complètement absents. Mais quand je vois la carte, c'est contigu aux zones qui étaient redéveloppées dans les dernières années. J'ai fait exactement la même chose que M. Perez dit à l'ouest de Victoria sur la route de Courtrai. On a démoli tout un secteur industriel sur la côté nord de Courtrai pour construire des coopératives de habitation, des centaines d'unités de logement abordables. Et c'est exactement dans le même endroit où on peut construire ici. L'argument que le service a, qui est additionnel, c'est aussi proche de la Courvoirie, ce n'est pas seulement le chemin de fer, donc propice, pas propice. J'aimerais voir si on effectivement peut construire des logements là-bas. C'est dans l'intérêt public. Est-ce qu'un propriétaire pense que ce site peut être redéveloppé et nous donne l'option de construire plus de logements? Je ne veux pas créer une situation où on change le zonage qui, si c'est accepté, va créer des droits, pas pour une génération, mais pour très, très longtemps. Je n'ai aucune idée si le fait commercial industriel, qui va l'acheter. Peut-être Kruger va l'utiliser pour entreposer leur stockage ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Peut-être le usage va être bas valeur aux collectivités, I don't know. Mais une fois qu'on crée un droit, ce n'est pas pour demain. On ne peut pas les épuiser. On ne peut pas dire, bon, on n'aime pas ce que vous voulez utiliser. Ils ont un droit légal de l'utiliser. Donc, ça me semble que c'est prématuré. Je sais que celle qui veut construire le logement a parlé de logement. En caucus, on a parlé que le prix va être élevé pour ces logements. I don't know for sure. Mais la possibilité de garder ça pour logement permet des négociations, au moins. Et pour ces raisons, je vais voter avec M. Perez, malgré le fait que je donne 25 % de raisons au service dans ça. Quelques des arguments doivent être pesés. Mais ce qu'on perd si on change le zonage est plus que ce qu'on conserve le zonage. Les possibilités sont plus élevées. J'aimerais voir que ce secteur, comme le secteur à l'est, à Outremont, à l'est en Ville-Montréal, à l'est en Montréal et à l'ouest à Montréal, devienne le modèle pour cette zone aussi. Merci. Oui, Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Donc, pour le public qui est resté, qui a eu la patience de rester avec nous jusqu'à cette heure-ci, je veux m'expliquer pourquoi moi je vote pour ce règlement. La première raison, c'est que la zone souffre d'un embourgeoisement qui est évident.
tout le campus d'Outremont s'est étendu vers l'est petit à petit sur, vers Darlington. Donc, il y a des condos, ce n'est pas des logements locatifs, et c'est des condos assez dispendieux pour une zone qui est juste à côté d'une voie ferrée. Et l'effet d'embourgeoisement vient de la qualité de l'environnement du campus de l'UDM. Donc, cette propagation des condos jusqu'à la rue Darlington, à mon humble avis, ça nuit totalement au quartier, donc les rues Barclay, Goyer, Bedford, qui sont des zones de pauvreté et qui sont des zones qui sont à réhabiliter de point de vue social. Donc, ma crainte, c'est que les promoteurs vont, la prochaine étape, s'en prendre aux bâtiments qui sont en mauvais état et qui sont dans ce pâté. Donc, je crains un embourgeoisement qui va se propager vers l'ouest. La deuxième raison, c'est que dans un quartier qui est sain, il faut garder des lieux d'emploi. Ce n'est pas vrai que tu peux avoir que du logement et que de l'institutionnel en Côte des Neiges. Il te faut des lieux d'emploi. Et tant mieux que le REM existe, ben, il y en a des employés qui vont se déplacer avec le REM et ils vont travailler chez Kruger et chez les autres entreprises qui sont dans le coin. On va travailler avec le développement économique, il faut le maintenir dans l'arrondissement. On ne peut pas faire un arrondissement seulement de logements. Et bien sûr, c'est un dernier, mais pas le moindre, c'est le fait que je souhaite qu'on protège notre cour de voirie. C'est la seule cour de voirie et parmi les seuls espaces qui nous restent pour entreposer tout notre matériel de déneigement, donc plein de choses. Donc, avoir comme voisin juste en face, pris entre la voie ferrée et la cour de voirie, ça va créer une pression sur notre cour de voirie. On va être questionné, mais comment ça se fait que vous avez approuvé de rester résidentiel et mettre de la pression sur la cour de voirie? Donc, pour toutes ces raisons, je veux voter pour le maintien. Et en plus, seulement pour faire l'histoire, donc cette zone a été industrielle, léger. À un moment donné, dans l'histoire de l'arrondissement, quelqu'un a décidé de changer le zonage en résidentiel. Il semble qu'il y avait des projets de développement résidentiel, mais dans la situation actuelle où on a une cour de voirie, où on a une pression immobilière qui vient du campus et où on a besoin de lieux d'emploi dans l'arrondissement, je vais voter pour. Sue? Oui. J'aimerais ajouter quelques remarques. Peut-être que je n'ai pas exactement compris les arguments de Mme Popiano, mais je suis mal à l'aise d'entendre un élu qui, effectivement, semble de ne pas réjouir de le fait qu'il y a un nouveau logement construit dans l'arrondissement Outremont, dans la ville de Montréal et dans notre secteur, qui attire les jeunes familles et, effectivement, dans une gamme de logements où le marché indique qu'il y a vraiment un besoin. Ce que je comprends, peut-être que j'ai mal compris, je comprends, elle veut effectivement punir les bourgeois pour avoir décidé de venir chez nous, les jeunes professionnels, les familles, pour acheter des maisons. On va permettre la construction industrielle sur ce site pour que les gens vont avoir un message. C'est pas ça que doit être la politique de notre arrondissement. On n'est pas ici seulement pour les logements sociaux et les logements abordables. On doit répondre à toutes sortes de besoins. Et un des besoins criants à Montréal est la question, comment est-ce qu'on garde les jeunes familles dans la ville qui ne déménagent pas hors île? C'est un enjeu Peter McQueen used to raise at City Council all the time when he was in the opposition, and it's a legitimate request. Et ce n'est pas nécessairement seulement par les logements sociaux. Il y a une gamme des solutions incluant des logements de certaine qualité, des espaces verts, des facilités municipaux, etc., qui sont à la base d'une solution de cette question. Donc, je suis mal à l'aise avec l'argument mis de l'avant.
Je comprends que votre caucus a décidé d'aller d'avant avec ce dossier, mais parfois, les votes au conseil ont des résultats inattendus. Madame la mairesse, dernier point, si avec votre permission. Oui. J'ai entendu les arguments de Madame Papiano, embrageusement, lieu d'emploi, protection de cour de voirie. Ben, moi, je pense que la cour de voirie est protégée. On est propriétaire de ce terrain-là. Elle n'est pas à risque parce qu'on veut permettre à proximité des logements. La preuve, c'est qu'elle existe. Il y a des logements qui sont juste en face de la rue actuellement et on n'a pas de plainte. Et puis, point de vue les lieux d'emploi, je vous encourage d'aller voir exactement ces emplacements pour voir quel genre d'emploi. Ce n'est pas le genre d'emploi sur lequel je pense qu'on veut encourager qui va avoir une réelle valorisation ou du savoir. Ce sont des postes avec une contribution économique très minime, avec respect. Alors, je ne pense pas que c'est vraiment fort. L'argument le plus surprenant de ma part d'entendre, c'est que ça peut créer de l'embourgeoisement. Si c'est le cas, je m'attends, Madame Papiano, à ce que vous votez contre le 40.14. Parce que c'est un immeuble juste à côté de cette zone-là qui va encourager des logements et qui est dans la zone sur laquelle vous appréhendez l'embourgeoisement. Sinon, il y a incohérence. Merci. Madame Papiano. Okay. Donc, le fait qu'on construit des condos à côté, et vous savez aussi bien que moi, M. Perez, que les rues Goyer, Bedford, Berkeley sont extrêmement sensibles. Et je ne suis pas, M. Rotran, seulement pour le logement social. Et je ne suis pas demandé du logement social. Ce que je vous ai dit, c'est que ça met de la pression immobilière sur toute la zone l'ouest de Darlington, vers l'ouest de Darlington. Donc, effectivement, le développement, on ne peut pas. Il y a beaucoup de... Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de ces bâtiments de condos. Ça n'a rien à voir avec les familles, M. Rotran. Ce sont des condos, hein, des condos de spéculation, ce qu'on a fait là-bas. Il n'y a personne qui nous a écoutés dans notre désir de faire des logements de famille et de garder les familles dans le quartier. Et il y en a pour les jeunes professionnels duquel vous inquiétez. Il y a plein de condos qui sont construits jusqu'au campus, que je n'en parle pas de ceux au centre-ville. Donc, mon inquiétude, c'est que si on laisse... et moi, j'en ai vu le projet que le promoteur a déposé, sont des maisons de ville. Sont des maisons de ville. Ça n'a rien à voir avec les condos que M. Rotran rêve, hein, pour les jeunes professionnels. Ce sont des maisons de ville. Construire des maisons de ville devant une cour de voirie proche d'un quartier qui est pauvre et qui souffre de pauvreté, à côté d'une zone où on peut encore espérer qu'on va garder, peut-être qu'avec le temps, ces industries vont se... Mais il faut garder des lieux d'emploi. On ne peut pas tout transformer en résidentiel. Alors, je demande un vote. Contre. How about four first? OK, four. Sorry, je suis fatiguée. In favor. All in favor? Not all in favor. No, who is in favor? Et contre. Alors, adopté. Bon, 40.11. Adopté tel que soumis le règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.12. Adopté tel que soumis le second projet de résolution approuvant le projet particulier visant à autoriser la démolition du bâtiment situé au 5713 chemin de la Côte-des-Neiges et la construction d'un nouveau bâtiment de 6 étages. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.13. Adopté tel que soumis le projet de résolution approuvant le projet particulier visant à autoriser la démolition du bâtiment situé au 4986 Place de la Savane et la construction d'un bâtiment résidentiel de 8 à 10 étages
et mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation. Proposé. J'appuie. J'ai une question quand même au caucus. Nous avons demandé si on va avoir une servitude qui va rester ouverte pour le public pour accéder au parc de la Savane. Et dans les plans que nous avons vus, il y a un sentier, mais ce n'était pas clair qui peut accéder à ce sentier ou si peut être fermé un jour par le promoteur. On a fait la demande au promoteur. On a approché le promoteur pour une servitude. Ils sont favorables à ce qu'on enregistre une servitude. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec eux. Merci. Efficace. Alors, adopté. 14. Adopté tel que soumis le second projet de résolution approuvant un projet particulier autorisant la démolition des bâtiments situés au 2795 et 2825 chemin Bates et la construction d'un bâtiment résidentiel comportant 6 étages et environ 102 logements. Je propose. J'appuie. Adopté 40.15. Adopté tel que soumis le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement afin d'ajouter un pouvoir réglementaire en matière de permis de stationnement sur rue réservé aux membres d'une société commerciale. Je propose. J'appuie. J'ai une question, Madame oui. la mairesse. Merci, Madame la mairesse. Pour ce dossier, mais également pour le prochain, parce qu'ils sont évidemment reliés, on voit à la section conformité aux politiques et aux règlements, aux encadrements administrative, comme quoi la division des études techniques de l'arrondissement émet des réserves quant à l'implantation d'un tel programme. Alors, ma question, Monsieur Plante ou Monsieur Boutin, c'est quelles sont ces politiques et ou règlements et ou encadrements administratifs que ce projet ne respecte pas? Dans les faits, je vais reprendre les éléments qui ont été mentionnés au caucus du 26 septembre. Parce qu'on en avait parlé au caucus du 26 septembre, je vais énumérer les éléments. Dans le fond, il y avait le plan de transport de la Ville de Montréal, la politique de stationnement de la Ville de Montréal, la politique de développement durable également. Ça encourageait également un groupe restreint à utiser l'auto solo dans les faits. C'est un secteur également qui était bien desservi en transport en commun. Et je pense en dernier, on avait mentionné également que ça pouvait mettre une pression supplémentaire au niveau du stationnement dans le secteur. Ce sont les éléments. Ce qu'on a dit également, c'est que les gens de la division des études techniques ne sont pas des experts au niveau développement économique. Donc, ils ne peuvent pas évaluer ce volet-là, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Eux, ils sont plus centrés sur le stationnement, la circulation. Et ces choses-là. Et le fait que c'est un projet pilote également. Donc, c'est comme ça qu'il est amené vers une façon de le traiter comme on le fait avec l'institutionnel. Voilà. Merci, M. Boutin. Ma question, c'est pour Mme Amérès ou Mme Popiano, peut-être. Je sais qu'elle a piloté le dossier. Suite à entendre la liste de politiques, encadrements et directifs que ce projet ne propose pas, je me demande, notamment sur les enjeux de développement durable, transport en commun, ça m'a étonné de voir Projet Montréal proposer et avancer cette proposition. C'est le genre de choses qu'on pourrait s'attendre à Ensemble Montréal de faire. Ma question, c'est pourquoi? Comme l'a expliqué M. Boutin, on a évidemment énormément de transports en commun qui desservit Côte-des-Neiges. C'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement encourager plus d'auto-solo ou bien tout simplement l'utilisation de l'automobile. On a entendu Mme la mairesse plutôt répondre à une question à M. Atlas, comme quoi à Villa Maria, Collège Villa Maria, LCC, il y a trop d'utilisation des voitures et là, on voit quelque chose qui semblerait l'encourager. Alors, j'essaie de comprendre la cohérence d'un point de vue de Projet Montréal. Ce n'est pas le genre de choses auxquelles on pourrait s'attendre. Voilà, ben, je vais vous répondre. Ça prouve encore une fois, M. Pérez, que nous ne sommes pas dogmatiques, hein, que nous n'opposons pas le développement durable et le développement économique.
Donc, vous savez aussi bien que moi que ça a été tout un exploit de créer une SDC sur Côte des Neiges. Et ben, la preuve, c'est que c'est la seule SDC de l'arrondissement. Donc, on essaye de la pérenniser. C'était une demande historique des commerçants. C'est un projet pilote d'un an. Je me rappelle avoir eu le même débat qu'aujourd'hui avec vous et avec M. Rotrin concernant les vignettes visiteurs en arrière de l'hôpital Sainte-Justine. Ça a été une épopée, M. Plante, hein, pourrait le confirmer. 2 ans, on a parlé. Puis c'était, je me rappelle, M. Rotrin partait en peur, ça va être épouvantable, les gens qui vont vendre. Il y en a eu comme 15 vignettes vendues. Ça ne fait rien, mais on a comblé un besoin. On a rassuré les résidents, qu'on les respecte. C'est la même chose. On va rassurer les commerçants qui, de force au degré, ont rejoint la SDC, que la SDC porte leur message et que nous, on est sensibles à leurs demandes. Merci. Merci. Monsieur Rotrin. Merci. Je me souviens, il y a des années, quand j'étais vice-président de la STM la première fois, pas la deuxième fois, quand Peter McQueen se lève en conseil, il est vraiment en maudit. Je ne sais pas si c'est un mot poli en français, mais Peter était vraiment fâché. Et il est fâché parce que la STM veut, dans la reconstruction du centre de transport, les gens mettre des stationnements pour des employés. Et nous avons dit, Peter, il y a des gens qui viennent de très loin à 3h30, 4h du matin pour ouvrir le centre de transport, sortir les premiers autobus. On a calmé et effectivement, il a laissé tomber son objection, mais il a dit comme principe, il faut promouvoir la mobilité durable et les modes autres que l'automobile solo. Et effectivement, ça, c'était toujours la position de Projet Montréal. Et je ne comprends pas ce dossier du tout. Effectivement, on va donner un droit à une société privée qui n'existe pas ailleurs, qui est effectivement, dans notre arrondissement, où est-ce qu'il y a un autre organisme qui a le droit de stationner des véhicules dans une zone réservée aux résidents d'un secteur. Ça peut arriver qu'un résident revienne et ne peut pas trouver une place stationnée. Je ne sais pas si ça va arriver. Ça pourrait arriver. Le service a essayé de dire, oui, on met toujours quelques places de plus que les vignettes vendues et on va assurer qu'on ne dépasse pas ça. Mais ça peut arriver que c'est complètement plein. Deuxièmement, c'est clair pour les commerces, et le magasinage, on ne veut pas que les gens viennent en automobile solo, qui fait une circulation dans tout un quartier. Les gens cherchent un endroit à stationner. Ici, les marchands, on le dit clairement que, bon, vous pouvez arriver en voiture, on va vous donner la possibilité de trouver une façon de stationner très facilement. Ça me semble l'inverse de ce que nous avons entendu pendant des années. Et je ne comprends pas pourquoi la STC Experience Côte-des-Neiges, qui fait de bon travail, a un traitement très différent de tout le monde autre. C'est vraiment la question. La réserve de service est éloquente. La réserve, c'est brise le plan de transport de la ville de Montréal, le plan, la politique de stationnement de la ville de Montréal, le plan de développement durable de la ville de Montréal. What the heck are we adopting these policies for if we can do something like this? It's so, you know, I mean, you look in a mirror and you can't see any relation between any of these policies and what's going on over here. You've got to wonder what the connection is between this and everything we talk about at City Council. Monsieur la, Madame la mairesse, donc je peux vous dire que je me regarde dans le miroir et je suis fière de moi-même, Monsieur Rotrin. Donc, peut-être vous n'avez pas compris. Donc, on n'oppose pas le développement durable, le développement économique. Donc, et en plus, vous savez, les vignettes vont coûter 2 fois le prix des vignettes des autres. Donc, je ne crois pas que ça va être un grand engouement pour l'achat de ces vignettes. C'est la SDC, c'est un nombre réduit, on ne donne pas autant de vignettes qu'ils veulent acheter. Donc, je vous ai dit, ça me rappelle très bien les discussions qu'on a eues pendant 2 ans sur quelques vignettes
de visiteurs qu'on a donné en arrière de Sainte-Justine et puis vous êtes partis dans des... C'est un projet pilote, je le répète. Hein, non. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va l'évaluer. Donc, il n'y a rien d'effrayant, M. Rotin. Est-ce que j'ai raison, Mme Popiano, que stationner devant un parc au mètre sur le chemin Côte-de-Neige, c'est 2,50 par heure. Et si on stationne là 4, 5, 6 heures, c'est 15 $ et qu'une vignette ici va être 20 $ par mois? Justement, parce que vous avez donné l'exemple de la STM, je tiens à vous rappeler qu'il y en a 4 ou 5 lieux d'affaires qui sont ouverts jour et nuit et qu'ils ont des employés qui arrivent à 3 heures, à 2 heures du matin, le marché trottier, le métro. Donc, il y a plein de lieux d'affaires. Et si la demande est venue, nous l'avons analysée, ils sont des personnes tout à fait responsables. La SDC a une direction, un conseil d'administration. Donc, et ils sont en plus extrêmement soucieux pour le développement durable. On va annoncer des beaux projets concernant le compost et plein de choses. Si le projet est une réussite, et s'il y a beaucoup de vignettes vendues le maximum possible, qui n'est pas loin de penser être crédible comme possibilité, vous aurez une réaction des gens qui habitent dans le quartier qui est effectivement payé pour leur vignette estuaire parce qu'il y a déjà un problème de stationner dans ce secteur. C'est pourquoi nous avons des vignettes. Donc, le service a vérifié l'occupation des espaces estuaires et c'est en deçà de 1,5 qui assure à tout le monde, à travers une rotation, qu'ils vont avoir des espaces sur les... dans les endroits réservés. Oui, mais le service ne recommande pas l'adoption. Le service est mis en réserve. C'est très rare ici qu'on ait une chose comme ça dans un dossier. Ils sont mal à l'aise et effectivement, c'est une décision politique. Alors, d'autres commentaires? Alors, adopté? No, I'd like to vote against it. I'm voting against okay. 15, the two dossiers. OK. Alors, on va voter qui est en faveur, qui est contre, alors adopté. Et 40.16. Édicter une ordonnance déterminant les modalités d'émission et d'utilisation de permis de stationnement sur rue destinés aux membres d'une société de développement commercial. Pas nécessairement faire le même argument, je vote contre. Okay. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire? Oui, madame. Je propose. J'appuie. Alors, qui est en faveur? Même vote qu'ailleurs. OK. OK. Adopté. Alors, 60.01. Madame Montgomery dépose les rapports faisant état des décisions prises par tous les fonctionnaires ou employés dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués pour la période du 1er au 30 septembre 2019. Merci. Et la séance est levée. Merci beaucoup et bonne soirée. Soirée.